de suite, nèg yo tiré sur un backup Udmo, gon policier pour balle dans tête qui mouri Anthony Dumas. OK? Donc ça veut dire malgré nèg yo après j'arrête, il y a vinn pi à l'aise, autorité ou attend c'est là peut-être gagné. Nombre de moun sa yo y a kidnappé ou bien qu'a victime bagala commencé faire bruit sur réseaux sociaux yo bagala commencé faire bruit dans la presse ou bralwe qu'on y a là ou bral gen des plaignants bral gen des interventions etc. Même penser ou te ka éviter et gagne ça me bavle on prophète de malheur comme moun k'ap suivre actualité à de près au niveau du département m'pense si jodi a yo va commencer prendre des mesures qui gagne dans figure gang ça bral pi à l'aise parce que côté yo y a li son zone qui pas vraiment gen caille son zone en terre battue ça relé ti bois d'homme non donc inévitablement moun k'ap sorti gros mon ou bien dans l'autre zone pour rendre dans l'ouest qui obligé passer par là on dit ça autorité notamment le parquet pardon de Port-de-Paix et puis direction départementale police à l'ouest fait yo interdit moun voyager après 7h du soir avant 6h du matin. Pour qui ça? Parce que d'après eux, c'est dans le moment où ça est capable de permettre que des patrouilles policières fassent route là. Donc ça veut dire, si on a une urgence, donc après 7h du soir, on ne peut pas prendre route ça. La police ni la justice par yo va responsable ça on le dit là elle dit au lieu que nous arranger situation nous obliger cherchons façon pour adapter nous accommoder nous voilà donc nous passer coco wat sans race qui c'est nouveau groupe gang qui a émergé au niveau de gros monde notamment Tiboadom l'opéral bassin bleu donc nous penser que y a prendre confiance parce que m'a bon menti donc comment c'est fait il a parlé de dans toutes médias là actuellement là. Et nous avons eu un moment où nous avons entré sud là, nous avons eu la Croix-Péris, qui sont section communale au niveau de l'Ester. Donc nous avons posé. Mais je vous dis à la Nagyo, comment c'est parler de vous, mais pas je vous dis à la Nagyo. En pile, monde gros monde, surtout victime. Il y a un monde qui est victime. En pile, monde qui est kidnappé, il n'a pas fait bruit, il aurait été en silence, il a négocié. Il n'a pas fait bruit alors que nous avons la prochaine. Pour le monde nord-ouest, c'est nouveau vent là. Avec des pour mon port de paix à part la voie ou l'absolu pas au presque l'absolu dans n'importe côté de pays à libre aller nord ouest là et est-ce que nous contrôlons monsieur Tiboadom même jeune d'Agadir dans le sud est-ce que Baptiste en descend donc ça veut dire qui monde là qui c'est nord ouest seulement votre côté négocier parce que s'il y a sous aller bassin bleu ou aller port de paix ou aller dans paquet l'autre zone dans département ou absolu par exemple m'absolu Gonaïves m'absolu Port-au-Prince ok m'absolu dans l'autre région d'un pays à et puis pour mal rendre moins dans département ça donc m'obliger passer par la nationale numéro 5. Vous comprenez donc VAR là c'est au niveau du Tiboadom côté monsieur ça va opérer et nous on a fait toutes sortes de mauvaises actions on a violé on a détourné camion on a kidnappé et c'est pas jeudi à Yapfel. Peut-être que dimanche après-midi, il a frappé fort avec environ une trentaine de monde. Oui. Bah, là, fait gros bruit. Mm-hmm. Jeudi un peu plus tôt, jeudi 28 juillet, il a tiré un policier Udmo. Donc c'est vrai que moi, j'ai des efforts conjoints à faire entre la police. La police au niveau du Nord-Ouest pour essayer de capable faire des bagailles. Même penser que si ce n'est pas des opérations cosmétiques, n'a pas obligé de frapper fort, sinon, on n'a pas confiance et puis bonnet c'est grand matin, puis t'as la vitesse. Et justement, guerrier avec Johnny, il y a une opération la police Latibonite à Sipor, Udmo, Nord-Ouest et puis SDPJ dans la localité Tiboadom, pendu à Kabera, dans la commune Gromon, bien bonnet, ailleurs dimanche là. Opération ça visait Kwape Bandiyo et puis libérer zone ça yo qui en bas contrôle plusieurs groupes ZAM dans la Tibonite. Policier Udmo yo rivé faciliter circulation en sur route nationale numéro 5 là dans zone Gromon dans Tiboadom. Bilan opération c'est déjà 3 présumés bandits qui t'a mouri, 6 l'autre blessé, 4 individus arrêtés et puis la police rivé saisi 6 motocyclettes. Ouais, voilà, c'est ça information fait connait qui sorti bon côté la police et la bien pour nous parler avec Ospadon Walk Jovens Clavel tout à l'heure. Mais nous après le parler avec Agronome Arthur Jovial Bonisset, puisque nous apprenons c'est samedi 6 août qu'a venir là funérailles chirurgien pédiatre haïtien docteur Peigne Roberto qui était mort assassiné en Floride 13 juillet passé a finalement chanté dans la commune en sapitre. Et Arthur Jovial Bonisset c'est une petite en sapitre livré partager avec nous, ça qu'on est concernant information ça, nous songez et Jean nouvelle ça t'est tombé donc jeune professionnel haïtien ça qui était obligé courir quitter pays pour insécurité mais qui est après mourir en babal aux États-Unis. Arthur Jovial Bonisset, bonjour. Bonjour Gabriel, bonjour
Bonjour Johnny, bonjour à tout opérateur qui permet que le monde là attendait Grand Boulevard jeudi mardi et qui c'est de août là. Très bien, donc on annonce que funérailles médecin ça, jeune médecin ça qui était obligé de quitter le pays à la chanter samedi, au cas où retourner son nom pour avec nous sur ce ça sur incident qui était conduit à assassinat médecin. Hein? Oui, d'un côté de l'introduction, et docteur Roberto Peigne, que tout le monde a fait connaissez non pas tout, et c'est un jeune haïtien qui fait un pile effort de commune à Vilain Sapit, quand elle était prenne naissance en 1980, et quand elle a pris certificat, il n'y a pas même un bon école secondaire dans la ville de Sapolta, elle était obligée d'entrer dans la commune Cafou et dans le lycée de Dikini. Il a fait l'école secondaire lui, bon, et après il était allé en République dominicaine du côté de Santiago pour te faire études de base en médecine. Et après il était rentré à Haïti, elle participait dans le concours, quand il était même sorti lauréat, des lauréats, pour te rentrer à perfectionner lui, à le spécialiser lui en chirurgie. Et il était trouvé ça pas suffit pour te dire un diplôme de chirurgien général. Il a spécialisé encore, il a fait un d'aller en sous-spécialisation en chirurgie pédiatrique. Et depuis lors, il était mis au service du pays. Quand il a payé à Port-au-Prince et dans différents centres hospitaliers comme l'hôpital Saint-Damien, comme dans d'autres hôpitaux, quand il était même qu'on a fait des services au niveau de Font-Vervette, de Baudary, dans la commune Gangosier, et même Mapou, dans la commune Bellance, eh bien, il a évolué très bien en Haïti jusqu'à ce que la situation sécuritaire pays a vienne mettre vraiment en difficulté. Côté madame, ni avec deux petites filles, qui ont été obligées de quitter le pays a. Mais même il a fait résistance. Et ma propre nous, docteur Roberto, te construit et dans la zone côté M. Katsamaozo a opéré dans plein du cul de sac. Bon, au côté que lui devine obligé, pas même qu'à la Kali, l'Elsin travail. Bon, devant tout ça, malgré résistance qu'il a fait, il était obligé de jeter lui pour aller vivre en Floride. Et côté lui-même, il a pu organiser lui pour prendre formation pour entrer comme médecin aux États-Unis, pour rentrer dans le corps médical aux États-Unis. Bon, comme nous tous nous connaissons, le jour qui était 13 juillet, pendant que madame Lee, qui était abonnée à Service Uber, comme Aïssé qui a connu, Service Uber, son service taxi, quand on a relé, et vous doublez tel bagage, et puis qu'on va y en dire, ok, elle prend tel bagage, tel côté, elle baille tel monde pour moi. Eh bien, lui-même, il était aidé madame Lee, l'a livré en nourriture du côté de Port-Saint-Lucie, qui se trouvait au nord de Miami, à 180 km à peu près. Eh bien, ce soir-là, du 13 juillet, bon, il a été criblé de plusieurs balles. Et depuis lors, c'est la catastrophe. Et nous-mêmes, dans la commune de Sapit, et à travers tout le pays d'Haïti, qui était connu pour un service et gros spécialiste, c'est passionné de la médecine, c'est passionné du bon service. Eh bien, c'est la souffrance, c'est la mort, pratiquement. Mais il a fallu beaucoup de batailles avec la famille, qui est basé aux États-Unis pour nous dire, nous t'aimer récupérer quoi au moins pour nous faire funérailles. Parce que c'est un héros, nous, pratiquement, que nous perdons. Bon, le combat a été fait, il mené. Et la semaine écoulée, quoi a été rentré en Haïti, à la République Dominicaine, et que nous avons placé l'inomog. Et finalement, et samedi, si Dieu veut, à partir de 2h, 3h, les communautés en Sapitoise là, a payé. Célébrer bon, la vie et puis chanter funérailles et docteur Roberto Peigne dit pas tout. Et je dis à nous qui venu là, c'est pour nous annoncer à tout le monde qui te connaît docteur et qui t'a aimé et peut-être participer dans le funérail là, que nous annoncions ça pour être capable de faire le nécessaire dans la mesure du possible et surtout pour annoncer le pays là, pour qu'on fasse effort pour résoudre le problème. Et sécurité, ça, qui a dérangé le pays, qui a détruit le pays. Parce que Dr. Roberto, pas de temps pour information pour servir l'autre pays.
pour le faire taxi, mais c'est temporaire pendant qu'il a une condition pour lui reprendre un diplôme ni aux États-Unis pour le travail comme médecin. Docteur Roberto était chargé rêve pour payer ça, par exemple, en Sapi, qui c'est ville natale, rêve lui, c'était mettre en centre hospitalier, tout travail de bureau, c'est pour lui créer des conditions après suffisamment de revenus pour venir faire l'hôpital pour servir communautaire. Donc, c'est gros autorisation ça que n'a crié dans sa pays que pays d'Haïti supposé a crié parce que pays ça qui pas gagné ce qu'on ça. Donc longtemps de au monde fin fait 7 ans d'études de base en médecine, il fait 4 ans dans chirurgie, le final a fait 2 ans pour les chirurgiens pédiatres plus toute année de faire l'école. Donc mes amis, nous comprenons qui quantité de sacrifice et c'est dur lorsque pays a pas qu'à bénéficier de tout sacrifice ça yo pour que ces monde obligé de quitter pays a pour la gaspiller quelquefois mieux que monsieur lui-même il pas entendre pour le pas et pratiquer médecine quelquefois à côté là il dit bon la paix soumettre à toute exigence et après ça pour y rentrer pendant même si les États-Unis c'est médecin pour lui parce que c'est ça c'était sa passion depuis sa tendre enfance et puis c'est ça lui voulait faire mais malheureusement des mains criminelles et retirer nous, les docteurs, mais n'a pas crié, demandé l'État haïtien, prends mesure pour que nous pas gagner, pour n'a pas crié, pour ça encore, pour que involontairement, des cadres haïtiens pas obligés à quitter le pays pour aller fonctionner dans l'autre côté. Maintenant, qui condition l'irrivée prend balle ça, puisque est-ce que c'est dans une zone raciste l'État allé? Qui genre même? Comment la situation présentée? Parce que est-ce que quand on est pas dans une zone raciste? Moi, j'aime dire noir et on connaît et la justice américaine a fait et tout démarche. D'ailleurs, il était fin mourir, il a fallu beaucoup de temps après pour la justice remettre quoi mener en tête. Donc, il était quitté la Kaili. Parce que madame ni t'es pas capable de conduire à le faire job li, et bien lui-même comme mon mari, il dit ok, pas mal faire livraison pour chéri. Et pendant que l'arrivée dans le lieu pour aller faire livraison, bon même pas qu'on est, non. Parler du débat qui pas entravé, bon, qui pas clair. Et puis que le monde probablement qui était positionné soit attendu ou bien soit attendu l'autre cible, et puis il est arrivé criblé de plusieurs balles. Ok, yo crasé col net, crasé machine ni. Si vous regardez des vidéos YouTube, gen même yon moun ki te gon kay ki patrol ou un côté machine nan te garé pour la faire livraison, et bien balle rentré jusque nan salle de bain, al crasé salle de bain yon rivien ki te sous zone là. Donc même pas vle et dit d'ailleurs nous pas là tout, vous comprenez? Mais c'est son acte de sécurité ou bien bon assassinat peut-être programmé pour lui ou bien pour l'autre monde, mais nous espérons que la justice américaine a baillé toute vérité sur ça, et bien ça, la presse nous-mêmes n'a fait le devoir dans la mesure du possible pour nous communiquer à tout auditeur Caraïbe qui est parti à travers le monde et pour la fenêtre m'a expliqué qui ça rejoint de ça. Mais Kounia, nous-mêmes nous contactons nous et nous vraiment prier, nous vraiment regrettons ça et nous voulons offrir nous des funérailles dignes de son rang et c'est tout simplement ça. Voilà, merci un peu la Gaudan Arthur Jovial Bonisset n'a pas appelé aussi petite en sapitre, c'est ça. Et on t'a parlé avec 100%. Et tu as parlé avec Corinthien concernant funérailles docteur Ricardo Roberto Peigne qui a pas chanté samedi dans un sapitre. Sapitre sous place publique à sapitre là à partir de 3h de l'après-midi. 3h et cadavre déjà en République Dominicaine, c'est ça? Non, cadavre en Haïti, cadavre a été transité par la République Dominicaine pour entrer en Haïti, les noms morts en Haïti. Et pour en sapitre, disons tchot. Voilà, mais merci un peu. Merci un peu, guerrier. Merci, madame Lydie. Merci à tout le monde qui t'a attendu. D'accord, merci. Bon courage. Oui, n'a pas songé, c'était un vendredi 10 juin, nouvelle là, t'es en courant bombe sur les réseaux sociaux, yo, bandit, exam, bien prend. Paquet Port-au-Prince, gen même bandit 5 secondes qui t'est arrivé, revendiquer action ça à travers Voice, et bien le 7 juillet, et bien Premier ministre Lance Mac ministre Intérieur t'es dit, yo même, yo pas au courant de bail comme ça, c'est journaliste qui a fait faux nouvelles, c'est dans le contexte ça, dans Port-au-Prince, toute magistrat si, tant coup debout, dans la rue, c'est seulement yon seul magistrat qui s'est resserre Voltaire, qui joigne un espace, sac moyen pour travail, parce que c'est lui-même qui a mené enquête sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, c'est même lui-même tout qui obligé à mener enquête sous dossier
Maître Robinson Pierre-Louis, secrétaire général Barreau Port-au-Prince, nous songe qui n'a prison à cause dossier ZAM pour les PA. Pour qui ça, c'est celle grand juge d'instruction ça qui gagne un bureau travail. Eh bien, c'est parce que bandit occupé local par la justice, je ne dis ça, depuis 10 juin passé, il y a un pays spécial d'après Anama qui croit système n'a pas qu'à continuer à marcher comme ça. Pour la prisonnier a souffri dans prison, dans ce sens, Jean Wilner Mourin, qui c'est numéro 1 association, mandé autorité autant pris souple et prendre responsabilité. Au président Anama, Jean Wilner Mourin, t'es parlé avec Marc Gerson Félistin. En effet, Marc, depuis plusieurs mois, pour me dire à lui-même, et tout tribunal première instance pour au prince dysfonctionnel. Bon, on va même besoin de parler de cabinet d'instruction. Hein, depuis que le premier ministre a fait, il faut lui renouveler quelques mandats. Et il y a des juges qui ont un mandat qui disponible pour travail, mais malheureusement, je n'ai pas espace pour travail, ou même doyen. C'est dans le tribunal de paix à Vouyeli, ou un commissaire gouvernement, son côté, au chercher, au mettre commissaire gouvernement. Donc, tout juge dans la rue net, ça ou pas travail bien que y a touché et tout substitut commissaire gouvernement dans la rue bien que y a pas travail tout et le personnel de justice tout le monde gagne un peu partout hein. Donc c'est l'État et c'est Haïti qui était pays marché, c'est comme ça cela se dit maintenant, alors que personne monde pas soucié de monde qui est en prison yo. On bande détenu chaleur et monstre mon yo a en prison il a intoxiqué par différentes sortes de maladies et autres juge disponible pour t'attendre yo, mais malheureusement et juge pas un bureau etc. Mon seul juge c'est juge Wessert, yo bail bureau avec moyen pour fonctionner et parce que le dossier président Jovenel, donc ouais ça sont c'est juste une décision politique et ça fait le il a arrêté sur des général Baroua, ou que c'est lié au voyage de Siabay, nonobstant que je ne crois que juste ça, il est vraiment maîtrisé. Alors, pas qu'on est non, mais c'est possible que question de formation, crime financier, je ne pas qu'on est que si juge-là, il y a les mêmes spécialisations. Ça. Donc, nous trouvons dans une situation, je ne dis pas, et la police a fait des efforts, il n'y a pas arrêté le monde, il y a arrêté le monde presque chaque jour, mais et il doit mon yo violer parce que mon sa yo yo pas capable et passer devant juge et yo si pour mon joindre une possibilité pour passer devant juge faut que son bagage spécial, faut que son juge spécial avec des situations très spéciales, avec des décisions très spéciales qu'il y a pas pour que et monde soit capable passer devant juge. Donc c'est un pays spécial, non situation spéciale avec une crise spéciale, on besoin juge spécial. Donc c'est tout ça. Malheureusement c'est comme ça. Et donc nous espérons que l'autorité qui a même budget pour le tribunal là dans le ministère de la Justice, ministère des Finances et le Premier ministre, il va prendre les mesures qu'il faut pour permettre que la juridiction de Port-au-Prince fonctionne. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas de juge qui a fonctionné normalement, sauf un seul magistrat que parce que le gagné de ce président Jovenel Anamel est obligé de prendre des mesures spéciales pour permettre qu'il fonctionne. Nous avons côté déclaration, maître Jean Wilner Morin. Et puis, l'autre information, contexte, insécurité générale pays à connaît, journée jodia, pas gain impact seulement sous problème la vie chère, mais tout institution publique, autant que privée affectée, en pile chaque jour plus avec phénomène ça, capable de détruire société. C'est constat pour pratiquement toute catégorie mairie dans le pays d'Haïti, côté employé, yo pas gain, yo gain plusieurs mois depuis yo pas touché. Mais de sous ça, plusieurs n'ont trouvé dans mise en disponibilité. Si pour mairie deuxième et troisième catégorie, yo situation catastrophique, pour quelques autres qui trouvent dans première catégorie, difficulté, yo ta doué puis papi mal passé ça, mais problème de sécurité a fait yo même tout à connaître mauvais moment. En suivant yon dossier avec Michel Alexis. Sorti dans COVID-19 l'année 2020, tombé dans insécurité dernier temps, Haïti participant fait face à diverses qualités problèmes. Politique, économique, sociale et la trier qui gagne gros impact sur société a sans ouéter institution yo, public tant que privé. Yon situation qui touchait bien fort collectivité territoriale yo, côté mairie yo, à travers agent exécutif intérimaire yo, Kazek ak Azek yo, après les en mois secou à cause problème financier.
plusieurs mairies dans zone métropolitaine Port-au-Prince obligé même prendre quelques mesi dans l'idée pour capable joindre un minimum fonctionnement. Genayo qui rivait même mettait en disponibilité plusieurs centaines d'employés à cause yo pas touché depuis plusieurs mois. Agent exécutif intérimaire mairie commune Kafoua, Jude-Édouard Pierre, qui c'est tout président Fédération nationale Mairie, a expliqué. Je dis à Mairie, nous au moins 27 mois, on va recevoir allocation. C'est-à-dire que si c'est 27 mois, 28 mois, c'est pas seulement ce gouvernement-là, le gouvernement a gagné 13 mois. Bien avant, c'est qu'il a gagné 17, 19 mois qu'il n'a pas touché. Bien avant, employé, pas de possibilité de jeune salaire. Bien avant, et fonds communaux, pas de vignes en dans la collectivité. Yo. Bien avant, mairie, deuxième, troisième catégorie, quand le chef du département yo, et commune de la guerre du tout, tu as vécu des moments très difficiles qui prennent vraiment mettre dans l'incapacité pour servir. Si pour mairie, deuxième à troisième catégorie, yo, situation catastrophique en pile, pour quelques autres qui trouvaient dans la première catégorie, difficulté, pas de plus mal passer ça. Même problème insécurité a fait au même tout à qu'on est mauvais moment. Pour mes catégories, on me dit Delma, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Tabar, mais ils ont capacité de nous faire un minimum de recettes et pour à la fois faire investissement et fonctionnement, mais avec insécurité monopolitaine, vous avez une incidence négative sur les recettes et zones difficiles qui sont difficiles d'accès réduisent son capacité de libération, mais aujourd'hui là, sur l'ensemble du territoire. Dans une note qui portait date 22 juillet 2022, mairie Pétionville fait tout employé lié au connaît, n'a pas cité, limitez en disponibilité pour problème budget à réforme administrative. Mais il s'est concerné divers services, tant que direction opération fiscale, acte service affaires politiques, affaires sociales, maintenance, domaine, agronomie, affichage logistique, relations publiques, éducation, e-sport à cloisie, garage et station. Cependant, notre ça fait exception à directeur, chef service, assistant acte secrétaire mairie. Une décision qui concernait plus passer une centaine d'employés, soit environ 1700 mairies à compter, d'après agent exécutif intérimaire mairie Pétionville, Kessner Normil, qui ne pouvait reconnaître mise en disponibilité aucun employé mairie. À cause de Covid, il y a un problème de sécurité à Kérinito, aussi de côté service pour dans le propre, il n'y a pas qu'à aller. Mais non, par exemple, est-ce qu'il y a un cas et mon fiscalité à baigner? Non. Le problème de sécurité, c'est une cause qui m'a mis sur mes rues. Je n'ai pas mis en disponibilité, c'est quelques services que nous passons même pour nous faire une autre formation, ça a été demandé par le travail. Mais qu'on est là, ça concerne combien d'employés environ comme ça? Au moins 100 à 110. Sous combien? Au niveau de mairie de Pétionville, on est presque au niveau de 1600 ou 1700 employés. Combien de mois à mairie censé gagner pour employer ou du moins jouer? Ah non, seulement 3 mois. Hein. Seulement 3 mois et on va le payer les 3 mois là. C'est pas seulement dans la région métropolitaine Port-au-Prince, Mirio a connu un mauvais moment. Dans la ville provinciale, situation malouxa baille en pile tête fait mal. Seulement dans la mairie Jacmel, c'est 42 mois employés au gain depuis ou pas touché un goût de l'ESCO, d'après agent exécutif intérimaire mairie Jacmel là, Marquis Kessa. Situation insécurité dans l'entrée site capitale là, une fois encore, un gros impact sur le fonctionnement mairie ça. Voilà la mairie de Jacmel. Nous inventorions plus de 25 000 maisons qui sont capables de payer ce CFPB. Mais avec 5 000 maisons, c'est sûr que tout le monde va payer, nous aller au-delà de 200 millions de gouttes. Mais actuellement là, dans 25 000 maisons, lorsque nous sommes prêts la semaine dernière là, à la DGI, c'est aux environs 500 000 qui payaient. Même quoi, moun payer, c'est moun peut-être qui gagne moins. N'a fait songer, plusieurs agents exécutifs intérimaires dans Mirio ta souhaité ouais un jour yon Haïti décentralisé côté chaque département ap autonome. Comme ça, problème financier d'après yo, Mirio a fait face journée jodia, ta réussi joignon bout, tout bon vrai. Micheli Alexis, Caraïbe FM. Le Micheli Alexis, nous prenons dans le Sénat République là, côté Sénat
qui a fonctionné avec un effectif réduit qui se dit sénateur par montrer les utiles paysans en yen en démarche pour aider réseau de crise politique là, d'après ancien député de Marie Jean-Claude Louis-Jeune comme seul moyen ou bien comme seul pouvoir dans l'État qui gagnait un minimum légitimité dans le moment sénat est capable de prendre disposition pour empêcher premier ministre illégitime Ariel Henry avec tout gouvernement ça mener paysan en catastrophe ça Jean-Claude Louis-Jeune questionné déclaration Joseph Lambert est fait 11 janvier dans le moment l'État a prêté serment comme président tiré Sénat. Côté l'État fait croire, il est prêt à prendre responsabilité dans la crise. Land. Suivons un reportage avec Wenchel Adrien. Dans la situation que nous avons là, nous avons une responsabilité énorme. Nous avons beaucoup de travail pour nous faire. Sénat, même lorsque il y a Chanian là, et tout engagement que nous prenons envers l'autre et envers mandant nous envers pays, nous avons responsabilité pour nous étourner en pile monde. C'était 11 janvier 2022. Président tiré Sénat, sénateur Joseph Lambert, t'es gain position ça. Dans le moment, il t'a pris fonction comme président bureau réduit tiré Sénat depuis deuxième lundi janvier 2022, qui réduit seulement à 10 sénateurs. Malgré grand ça a perdu détient la capacité qui rend li pas opérationnel, président bureau réduit tiré Sénat t'es laissé quoi, les cafés qui choy, pour empêcher pouvoir illégitime, illégal et inconstitutionnel ça qui gagne en tête li Ariel Henry mener pays à la catastrophe ça. C'est vrai Sénat a été annoncé en pile activité parmi eux assises pour tenter joindre un large consensus pour assurer gouvernance l'État. Cependant, depuis un bon bout de temps, Sénat a semblé bouqué dans course là. Ariel Henry, personnage qui gagne soupçon sous dol comme monde qui impliqué dans assassinat président, ministre intérieur qui gagne soupçon kidnapping, avec un ministre justice qui t'a cité dans mauvais deal, joigne un boulevard pour continuer à engager l'État. Face à silence 10 sénateurs qui encore en fonction yo comme seul légitime qui t'a supposé défendre intérêt république là à ensemble population, ancien député circonscription Dame Maria Jean Acluche le jeune questionné utilité Sénat ça par rapport à crise là. Sénat n'a pas été là non. Sénat n'a pas été là hein. Parce que nèg yo pas même font tentative même les autres bien doit qui ton bagaille à prix. Les autres législatives vini au moins t'a planché sous lui. Pas de que pour moi le Sénat ça accomplisse. C'est avec tristesse et que n'a gardé qui reste Sénat crétéa parce que c'est yo entre guillemets qui est lui. Cependant, moi-même m'a posé des questions par rapport à président Tiresti Sénat, qui ça Sénat ça en général niveau pays. M'a posé des questions, est-ce que yo pas complice de ça qui a passé là? Moi-même d'accord que yo pas qu'à convoquer Ariel, yo pas qu'à convoquer ministre là. Mais au moins yo t'a fait une tentative qui ton bagaille pendu sous tête moun sa yo et que les l'autre Sénat vini, les l'autre chambre des députés vini a dit que dans tel moment, mais tel action qui était faite et puis qu'on y a monde ça au proposition mais mon non au moins musclé au té ka voyé et que qu'on y a population a ta senti que gomba a fait moi même pas comprendre ça qu'a passé à du tout si pays a doit gouverner dans quatre principes ak loi établi yo équipe ça qui prend tête l'état d'assaut pas gagné aucune légitimité constitution 29 mars 1987 là même dans version amendée a pas couvri yo aucun côté donc yo pas gagné aucune autorité pour engager l'état. Dans tous trois pouvoirs qui composaient l'État, seul le Sénat, même actif effectif très réduit, 10 sénateurs qui étaient et ont une crasse légitimité. Si 10 sénateurs qui étaient continuent à toucher et puis jouer tout privilège dans l'État par complice dans malheur pays, ils gain pour obligation prendre toute disposition pour bloquer Ariel Henry avec toute équipe gouvernementale de facto qui fait Haïti tourner un cimetière. Winchel Arien, Caraïbe FM. Merci Winchel Adrien. Faut nous dit tout c'est dans contexte ça divers dirigeants dans secteur protestant annoncé 3 journées jeûne pour Détroit à 4 d'août 2022 qui a pointé là 3 journées la prière ça a pour objectif protester contre phénomène insécurité à kidnapping hein? C'est celle la prière qui capable rester pays dans cas fou difficile li trouver là d'après pasteur Joël Pierre qui fait appel à implication toute communauté protestante activité si là, 3 journées jeunes ça a commencé 7h du matin pour arriver midi d'après organisateur yo qui plaide en faveur tête ensemble dans secteur protestant régional Rémi Abdine plus.
Machine Lamboa continue à mettre de l'eau dans les familles, étudiants, femmes enceintes, vaudouisants, chrétiens, aucune catégorie pas épargnée. Si classe politique la prend chemin dialogue, certaines organisations dans le secteur protestant décident de prendre chemin la prière. Mission Union Baptiste Haïti annonce 3 journées jeunes, pasteur Joël Pierre, c'est une organisateur activité si là. 2, 3, 4 août. La mission de Baptiste d'Haïti n'a pas organisé 3 jours de jeûne sous ça pour nous chercher faveur mon Dieu. Pour nous relâmer devant mon Dieu. Puisque c'est seul Dieu qui a sauvé Haïti, nous allons crier dans le pays mon Dieu. Et pendant nous faire ça, nous avons pris à l'attente pour organes qui sont responsables dans le pays pour lancer un grand mouvement. N'importe mouvement qu'a fait là, nous avons la donne. Dans le palais municipal, nous avons vu à mot le 25 août et nous baptiste croit que. Une activité qui pral réaliser dans un objectif bien spécifique d'après leader religieux qui était confiant crise plusieurs dimensions pays a traversé a bon Dieu gen solution pour lui. 3 jours c'est restauration pays a n'a pas demandé mon Dieu grâce. N'a commencé à 7h n'a fini à 12h30. 3 jours sous ça n'a pas prendre drapeau pays a ou drapeau non pas sans papier a pral saisir pour comment mon Dieu pral lever le drapeau sans dignité. Nous quoi ça bon Dieu mettez haïtien non et là pour chercher. Et bon Dieu besoin haïtien pour chercher. Et ça Dieu fait. Vous ne pas perdre contre l'Haïti. Vous ne pas perdre contre l'Haïti, mais mettez Haïti dans l'étau. Et tout le temps, on va chercher mon Dieu, n'a gagné pour coincer nous plus. Jusqu'à ce que nous cherchions. Plusieurs centaines l'église ferme portio dans une série quartier civil armé contrôlé. La foi menacée, pasteur Maxo Joseph révolté. Matissant pour que nous ayons grand signe son problème. Donc je dis, ce n'est pas seulement des centaines de l'église évangélique, mais ensemble des secteurs vitaux dans la zone. Affecté. Par exemple, secteur religieux qui vient protestant, catholique et toute autre religion, mais tout secteur éducatif là. C'est-à-dire, si moun pas à l'école dans la zone ça, mais c'est des moun qui violent. C'est des citoyens aujourd'hui qui quittent la caillou et qui prennent immigrer dans leur pays. Ça révoltant. Par exemple, la plaine, c'est le monde qui gagne une fois qu'il était la plaine. L'église désignée, tout le monde après l'église a fait pas. Pays a de pas fini, en pile pasteur déjà pété, courir pour insécurité, peuple a lagué deux bras balancés, sans certain yo, pas de aucun berger qui a voyagé sous yo. Nous sentons qu'il y a pile gouvernement qui a voté. Et forme tout ça, ça qui fait nous en retard là, c'est un petit problème. Qui est un gros problème qui est dans le secteur protestant? Nous, à travers la Bible, les Israéliens ont des problèmes avec Wassan Chérib, pays Assyrie. Ah, qui t'on voit très puissant, qui a des problèmes. Et bien, qui ça, ou Ezekiel se fait? Il voyait les hommes de Dieu. Hommes de Dieu a présenté l'aide que Wassan Chérib dévoyait. Mais bon Dieu dit, il a des solutions. Solution pays d'Haïti, c'est dans l'église liée. Problème, nous, là, l'église désunie, en pile, monsieur, pas là, il y a qui quitte, il y a qui a le bonheur, etc. Faible reste qui est là. Au lieu de nous mettre ensemble, nous l'avons sous l'autre. C'est pas la première fois que le secteur protestant a organisé jeunes pour joindre une solution. Crise la pas jamais changé. L'irrité pour qu'on ait acquis ça 3 nouvelles journées. La prière s'il a porté dans le cadre de résolution crise là. Reginald Rémy, Caraïbes FM. Merci en pile Reginald Rémy. L'autre information, crise politique, plusieurs dimensions, pays à traverser, à venir plus compliqué. Société civile a annoncé pour semaine prochaine, mettez campé yon commission dialogue. Et c'est ça, a bien pour discuter avec tout acteur yon pour yon capable de river joindre yon solution d'après Guy Serge Pompilus. Déjà, gen plusieurs chita palé qui fait entre diverses organisations d'après ça le fait qu'on est. Guy Serge Pompilus croit dans situation difficile pays à trouver le journée jeudi a gen nécessité pour tout acteur yo mette tête yo ensemble. Guy Serge Pompiliste dans micro Reginald Rémy. Faka constat de crise complexe qui a duré depuis quelques mois mais plusieurs décennies. Nous pensons que en tant qu'organisation société civile qui mettait tête ensemble à plusieurs autres organisations ni en Haïti ni dans la diaspora, nous pensons que faut que nous mettions dialogue là, le dialogue inclusif comme voie pour nous penser réfléchir à la fois sur questions sociales, économiques et politiques. Nous toujours qu'il y a des crises là seulement dans la dimension politique, or longue crise complète sur ça. Faut attaquer, il faut faire mon parler sous toute dimension crise. Donc ce premier élément de dialogue là, c'est que par manifeste là, organisation qui a adopté manifeste là, décidé pour nous faire promotion, pour nous accompagner, pour nous aider, mais différents groupes en dialogue, permettre que le dialogue fait à la fois dans le niveau local, dans le niveau national et puis dans la diaspora. Donc, mais élément qui est important pour nous,
c'est que font tout partenaire dans le pays à arriver à parler sous dimension, différentes dimensions, crise. Manifestement, est composé de 4 parties. En première partie, sont introduction liée qui ancre manifestement dans l'histoire d'Haïti. C'est que monde qui te bat l'indépendance dans le pays a qui font projet. Haïti son espace liberté pour le côté tout petit qui fait pour vivre et monde qui opprimé fait pour venir au refuge. Et si pour vous mettre contre oppression, il y a besoin de moyens. Maintenant, dans toute l'histoire de ce préambule là, qu'on y a sans constater, c'est que le projet ça, qui c'est espace côté haïtien qui avait libre, il est menacé depuis plusieurs décennies. Il est menacé par vulnérabilité, il est menacé par crise, il est menacé par question environnement, il est menacé par s'améliorer, une façon de vivre à l'autre, il est menacé par migration. Donc, manifestement, déclarer que l'organisation qui adopte le pour le travail, ces déclarations, pour le mettre ensemble société en dialogue. Et puis après ça, manifeste examiner une série de valeurs qui est important, qui est fondamental pour le dialogue qu'il a fait. Et puis après ça, il termine par une stratégie avec des piliers pour intervenir. C'est ainsi que l'a intervenu au niveau local. C'est ainsi que l'on va chercher des personnalités internationales qui ont expérience de pays en crise pour travailler avec nous, pour montrer qui j'ai ressorti dans sa réunion. C'est ainsi tout que nous décidons que faut une série de lignes dans l'école, dans une série d'organisations, faut que nous apprenions à créer le dialogue. Donc, on accompagnement, on montrer pour accepter l'autre. Une douzaine d'entités qui, dans le pays, a, nous avons des façons plus, avec Antonin, nous avons des fracas, nous avons un fou l'espoir, nous avons au cap, bien sûr, qui s'organisationne, nous avons une organisation de l'Ocre et les FOD. Nous avons une organisation Religion United Council, qui sont organisations de la diaspora. Nous avons une chambre haïtiano-américaine de commerce dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Donc, c'est, nous avons SSBP. Donc, nous avons une bonne douzaine d'organisations qui partie de noyau principal là, et qui a adopté manifestant. Nous finissons la conférence Washington, là. Mercredi, ça, on a réuni pour justement nous structurer un comité de suivi avec un comité qui a mis en œuvre des premières mesures et puis un troisième comité qui a les mêmes fonds plans sous 3 à 8 ans après l'OLA pour proposer conduite dialogue. Ça. C'est ce qu'on n'a pas abordé de manière souple. Parce que ouais, l'on rassemble l'organisation, ou pas qu'on a comme son grand commandant qui a commandé tout le monde. C'est connecter les gens, faire qu'on découvre ça comme là, et puis après ça, sous base ça, après nous faire des petits succès ensemble, des petits travaux ensemble, jusqu'à ce que nous arrivions dans le gros moment de travail nous besoin. Parler avec Maître Camille Auxilius sur question insécurité hein, avec un dernier rapport au CNH Mettez dehors qui est publié donc sur divers cas homicides qui commettent dans le pays d'Haïti, sorti 1er arrivé 31 juillet 2022. Maître Camille Auxilius, bonjour. Bonjour Gagé Bessel, bonjour Johnny Vatiman, bonjour Maître Anodan. Bonjour à tout le monde, c'est Nation. Bonjour à tout auditeur, auditrice. Donc, maintenant, je participe en plaisir. Dans la situation là, mais c'est une nécessité pour que nous répondions à tel ça, pour nous bailler une explication sur le rapport de Mettez dehors et sur la question de l'homicide. Parce que si oui, chaque acteur a bien partition par eux, mais au CNH, comme organisation de la monde, nous disons bien partition par nous pour nous jouer tout. Il faudrait à quel niveau nous capables de porter contribution par nous pour permettre la question d'insécurité. Il y a des solutions qui peuvent la donner. Et c'est ce que nous avons fait aussi. Donc c'est une nécessité matière pour nous répondre à l'invitation. Et rapport à qui ça en termes de chiffres? En fait, c'est un rapport que nous mettons d'ailleurs dans le souci pour nous capables de permettre à la population, à l'autorité, qu'on ait qui ça et situation y a plus et qui gens sont capables de poser des actions concrètes effectivement si vous voulez résoudre les questions d'insécurité. Alors derrière, quand nous dit question et insécurité, et je vous dis, c'est tout le monde qui touche et personne n'a pas eu de passer dans le pays. Et j'aime toujours aimé dire, Haïti vient tellement gagner insécurité ou non situation côté citoyen paisible qui n'est pas en contravention avec la justice.
yo vin tourner des prisonniers et moun ki ta dwe derrière barreau qui en contravention avec la justice, c'est moun sa yo qui bénéficie de liberté fondamentale yo. Donc ou nan pays à l'envers, moun ki ta dwe dans prison, c'est un cap blanc qui champagne, cap fait dans la rue, et moun ki ta dwe dans la rue à nan occupation yo, moun ka sorti des prisonniers et côté yo pas capable et s'écler dans la rue. Et il y a des gens qui sont victimes malgré qu'il y a parlé de prudence. Donc je dis, on n'est presque pas capable de parler de prudence encore dans le pays. Parce que le plus gros prudence que le monde est capable de faire, c'est de la caillou. Or, même la caillou, ou pas épargné, ou pas arrêté comme ça, et puis, ou la caillou, ça nous tombe sur vous, donc on victime pas mal. Donc, nous faisons rapport à tout, c'est parce que chaque fois qu'on dit au dos, insécurité. Demandez et autorité, quand il y a un monde qui mourit par mois, il n'y a pas qu'à parler. Mandez autorité dans qui zone par mois, il y a un plus monde qui mourit, il n'y a pas qu'à parler. En nous, au Sénat, nous faisons une réflexion, nous disons, faut que nous fassions un travail, cap permettre autorité, il y a une idée, chaque mois, qui côté il y a un plus insécurité, qui côté il y a un plus monde qui mourit, et nos situations, côté c'est bandit, et qui attaque, soit directement, soit en dommage collatéral, qui fait mourir, donc nous faisons rapport à ce comme une contribution. Ça, qu'on nous fait déjà, et dans le mois de juin, nous avons gagné un effectif, nous avons répété bien, et nous continuons avec le travail là toujours, et pour le mois de juillet, nous avons un effectif, et nous faisons des recommandations. Donc, c'est un rapport directement nous fait pour nous aider autorités à comprendre. Mais il y a une chose que nous disons. Sécurité, c'est un bien public. Et je dis, nous gagnons un gouvernement illégal ou pas, quelle que soit l'idée, illégalité, légitime, dans n'importe quel pays de vos gouvernements, donc, il y a obligation de résultat en matière de protection des droits humains. Je dis, personne n'a besoin de marier là, il n'y a pas de gagner, et il y a une mission. Et qui est légitime, la mandat qui est légitime, personne n'a besoin de situation bien compliquée. Donc, obligation les gagnants même, c'est ça on n'a pas qu'à éviter, c'est bail population en sécurité. Et nous-mêmes, tout comme organisation bien civile là, nous-mêmes, tout comme citoyens, pour que nous ne participons pas nous. Donc, deuxième rapport, là, qui ça le gagne là-dedans? Dans le deuxième rapport, alors nous essayons d'appliquer une méthodologie qui permet et monde qui le rapport a gagné en contre Fadali. Au CNAS, avec les ressources qu'il gagne, nous gagnons des antennes dans différents quartiers. Et monde ça, c'est eux-mêmes, à travers eux-mêmes, chaque fois qu'ils jouent un caillou, nous enregistrons, nous faisons un monitoring dans la zone, et nous-mêmes, nous faisons collection des informations, nous traitons, nous vérifions, et nous rendons un rapport qui est potable. Pour seulement, moi et Julia, alors cette fois-ci, nous enregistrons 49 personnes qui mourent par balle en bas assassin. Donc 49 personnes, c'est 49 personnes, soit pendant la banque, soit pendant l'église, soit pas des sauts dans ma fille, soit pas des sauts dans le bureau, soit tout pendant le coucher sous cabane la caillou, il n'y a pas les deux, c'est 49 personnes qui sont victimes. Mais faut nous dire, de manière objective, c'est pas, nous pas dit que c'est seulement 49 personnes qui sont mortes. Au contraire, il est capable de plus. Mais à niveau au Sénat, par esprit d'objectivité et d'impartialité, nous pas aimé avancer des chiffres, nous pas vérifier. Nous disons que 49 personnes, il est capable de plus. La mesure où nous mettons cité soleil là dans lui, il faut gagner et qui passe là dans lui, côté se bien gommé avec dans lui. Mais nous, dans le niveau CNH, nous n'avons pas de moyens logistiques et nécessaires pour nous rentrer, pour nous vérifier et avec mon étoile, nous gagnons tout, pas de capacité pour nous dire qu'il n'en sont pas. Nous-mêmes, à esprit d'objectivité et d'impartialité, nous disons 49 personnes, c'est lui-même nous répétons rien, mais nous reconnaissons. Capable bien l'autre monde toujours, c'est tout dans Cité Soleil. Et dans le rapport, dans 49 comptes, nous dit pendant moi ça, il y a deux côtés qui ont plus de petits victimes et pas balle en bas mais assassin, c'est le département de l'Ouest et puis l'Artibonite. C'est deux côtés qui ont plus de monde. Mais qu'on y a la guerre. Lorsque nous avons une situation comme ça, il y a une insécurité comme ça, alors avec qui ça, assassin, bandit, qui ça y a utilisé pour
et éteindre la vie mondiale. Si nous parlons de bagages qui sont connus, alors on est capable d'assassiner, on est capable de saisir un monde, soit par âme blanche ou bien à la vue. Maintenant, aujourd'hui, nous tous connaissons le pays, il y en a un bagage qui est plus facile pour nous joindre des armes et munitions. Ça veut dire, si ça est plus facile pour nos populations, c'est manger. C'est de l'eau, disons, les besoins fondamentaux. C'est eux-mêmes qui t'a donné plus facile pour nous trouver. Mais pourtant, nous sommes contraires là. Au lieu de nous donner de l'eau, manger, l'hôpital, l'éducation, et environnement qui est approprié, sécurité, au lieu de nous donner ça plus facile que les gens Haïti, un pays qui est vivable, mais ce n'est pas lui qui est plus facile. Je dis à ça, nous avons besoin plus facile dans le pays. Ces armes, ces munitions, et pour causer qui ça, pour causer la mort, pour le tirer à l'immonde. Donc, qu'on y a là, on a des petits côtés à porter. Si c'est avec des armes, avec des munitions, question insécurité, ça va augmenter chaque jour, qu'on y a, si nous voulons résoudre le problème, il faut que nous allions en amont et en aval. Nous-mêmes, au niveau du Sénat, ce qu'on dit comme organisation d'avenir, le discours nous doit gagner, il n'est pas capable de dire un discours parti politique, or parti politique, c'est un droit de gagner, puis gagner un discours. Mais nous, comme organisation de la vie, le discours noir est un discours qui est constructif, un discours qui garde un sens d'objectivité. Et c'est parce que nous avons un discours qui garde un sens d'objectivité qui fait nous fixer responsabilité à moi qui concerne nous. Dernière question insécurité, premièrement, pour garder qui est qui responsable comme acteur, moi qui doit garantir la sécurité. Mais deuxièmement, si nous regardons tout, après des gens qui nous garantissent la sécurité, il faut regarder les hommes avec les munitions qui côté nous sortir tout. Je dis, si nous regardons les gens qui nous garantissent la sécurité, nous sommes capables de regarder la PNH, nous sommes capables de regarder l'acteur judiciaire, parce que là, n'a pas que nous avons des pays qui des exemples qui nous ont fait. Il y a des gens qui nous ont c'est parce que nous avons justice qui fait nous. Il y a deux façons. C'est ou bien moun nan konnen même s'il est arrêté, la jugé, même si on a arrêté, mais la blague quand même, n'importe qui j'ai la blague quand même. C'est ou bien moun nan konnen qui ont justice qui est tellement faible, phénomène impunité, c'est lui qui a l'ordre du jour en pays. Donc même si c'est un bagage, ou pas de la police nationale qui est assez ferme. C'est-à-dire que nous n'avons n'importe quoi de l'OEA, bien que nous baillons la police en coup de tapot dans la semaine ça, contrairement à Jean Oté dans la semaine dernière. Dans le mois passé, mais c'est maintenant, de toute façon, il fait un petit effort. Mais, quand il y a même pas des acteurs qui sont responsables, nous sommes là, donc, ils ont partiellement répondu à ça bien comme mission, mais il y a des fonds de problème et à la source. Je veux dire, en plus, on a parlé, on dit, oh, le bac à bail de sécurité, il n'y a pas fait ci, la police n'a pas fait là. Mais, regardez, si on ouvre l'État à Lyon Sous, on dit, on a Lyon Sous, et vous chita en bas, et en disant la rivière là, ou à beauté de l'eau et d'ailleurs, sous base de ta ressource. On fait crever. On fait crever parce que le problème là, c'est pas dans la rivière là pour commencer à beauté de l'eau pour mettre dehors. Maintenant, sous ça pour aller. Aujourd'hui, si on a gardé sous ça, alors si on approche pas nous, et ports internationaux, c'est des véritables sources liées. Dans la question insécurité dans le pays d'Haïti, parce que je dis à tout le monde connaît Haïti par ses armes. Haïti par produits munitions. Haïti par des industries côté yo fait Kadachnikov, côté yo fait 9 mm, côté yo fait 12, on ben d'âme. Haïti par des industries côté yo fait munitions. Donc je dis à, si nous voulons résoudre le problème insécurité effectivement, selon le rapport au CNF, il faut que nous manions le problème en amont et en aval. Manier problème insécurité en amont et en aval pour ces nations résolues, ça veut dire chaque acteur judiciaire en Haïti, yo, autorité policière yo, et la douane, des synergies, police qui en frontière, des synergies qui dégagent entre acteurs pour travailler ensemble, pour dire empêcher les munitions avec des armes rentrées, en somme, trafic d'armes avec munitions. Toute entité ça nous occupe là, pour nous dire travail, puis on empêche ça nous rentrer. Maintenant, c'est après débarquement. Nous tous connaissons, pour le monde qui est transport et capteur d'émission, et même pour guerrier, on connaît dans la question transport, il y a
grand bâtiment, il y a deux bâtiments. On sait la faire en approche côté lui dit, faut que acteurs yo dégager une synergie pour yo empêcher débarquement. Mais si on empêche débarquement ou pas faire une approche pour empêcher embarquement, on va faire corbe. Donc à cette phase, nous nous disons qu'il y a deux théories en de rapport là, nous mettons en application et demandons autorité au milieu de l'application. C'est deux principes, c'est principe de précaution et principe de prévention. Derrière, auditeur, autorité qui attend de nous là. Nous pas qu'attendre, c'est leur maladie à venir sous nous et puis nous ne pouvons pas guérir malade. Au lieu pour nous pas guérir malade, c'est principe de précaution. Maladie a déjà arrivé sous vous pour pas guérir. Mais il y a plus sage si nous prenons des dispositions pour nous mettre en application, pour nous mettre en œuvre, principe de prévention. Principe de prévention à cette phase, c'est de nous dire, écoutez l'État haïtien, c'est vrai, il y a une nécessité nous-mêmes pour nous poser des actions et d'un coup et avec la douane, d'un coup police et qui n'en zone frontalière et frontalière. En cours agent douanier, la PNH, tout ça, yo, oui, il faut que nous dégagions synergie pour nous empêcher. Mais depuis que nous sommes déjà arrivés là, il faut nous faire fouille si ces principes de précaution, parce que nous sommes déjà arrivés déjà. Mais principe de prévention, hein, c'est prendre des dispositions. Au nom de la coopération internationale, l'important pour que l'autre pays, yo, qui a dit à Haïti qu'il y a insécurité. Mais faut que vous gardez tout, insécurité, c'est avec ZAM, c'est avec munitions qui produit, et même qu'il y a étrangers qui victimes, étrangers tant que Haïti est victime. Et Haïti pas pour des armes, Haïti pas pour des munitions. Donc, au nom de la coopération internationale, faut que notre pays regarde tout pour nous dire bon, et pas seulement pour nous garder le village dévié, pour nous garder 400 croix de bouquets, pour nous garder dans le Cléris, dans Théonite, pour nous garder dans Saint-Hélène, dans Jérémy, pour nous garder dans le Célesco et dans le Cap-Haïtien, et avec un petit l'autre, pour nous dire, oh, c'est la Rogue Bandi. Mais qu'on y a là. Non seulement nous avons identifié pour nous dire la Rogue Bandi, la Rogue Bandi, sécurité, mais pour nous dire, bon, si il y a sécurité, c'est vrai, les fusils, c'est la Rogue, mais ma pays, il y a d'autres côtés aussi, c'est la Caïne aussi. Eh bien, dans le sens qu'on est obligé de collaborer, obligé de coopérer pour résoudre le problème, et bien qu'on y a, selon le rapport au CNH, là, l'État haïtien doit demander autorité portière internationale pour qu'il prenne des mesures pour jouer le rôle de vigilance, pour empêcher les armes et les munitions dans le pays. Et ça, c'est à considérer comme une contribution, c'est à considérer comme un pas vers la bonne direction pour résoudre la sécurité. M. Camille Oxyrus. Ça nous fait dans le rapport, nous. Dans le rapport, nous, guerriers. Pendant bout de mois, il y a un pays qui a saisi plus d'âmes qui sont sortis de la Kaili, c'est les États-Unis. Il y a un pays qui a saisi plus de munitions qui sont sortis de la Kaili, c'est les États-Unis. Et munitions, les âmes, c'est de manière illégale qui ont rentré dans le pays. Hein? Or, ce qui s'est passé dans l'insécurité, c'est chaque jour les États-Unis. Autorité et américaine, nous a parlé des questions insécurité de grand pays, de quelque part pour demain, ils ont préoccupé des lieux. Mais si vous préoccupez, il faut que même tout, pas seulement la parole, il faut passer de la parole aux actes. Maintenant, faire rapport pour dire gagner insécurité, c'est bon bagaille. Rapport à c'est une cadre théorique, mais une cadre pratique. Comment comprendre les États-Unis qui gagnent des ports, qui bien équipés, États-Unis empêchent tout autre bagaille rentrer dans le pays, hein? Depuis le pas d'accord, ils n'ont pas rentré. Maintenant, depuis plusieurs années, plusieurs mois, question d'armes avec munitions, c'est États-Unis qui a sorti, vivre et tourner, mon appui, et je dis que nous avons gardé, gagné auteur, gagné complice, quelque part. Il y a des pays qui viennent et complices dans la question d'Amna. Mette Camille aussi. Oui, il y a un peu de choses. Mette Camille a blagué 100 000 à l'heure. Alors, Mette Camille, nous prenons et auditoire, là, tout fait même bagarre pour tendre des commentaires avec recommandations au CNH. Mais après, tout n'est sous rapport. Là. Tout à l'heure, on parlait de 49 mouns. Nous recensés qui perdit la vie et deux départements qui plus touchés. C'est l'Ouest et puis la Tibonite. Nous avons besoin de précision de manière détaillée.
pardon, et combien de monde, combien filles, est-ce qu'il y a un policier qui mourit dans le nombre de cas et d'homicides à eux? Et deuxième volet question, hein, par rapport à moi qui se passe à qui c'est juin, est-ce que vous baisse ou bien vous hausse dans la quantité de monde nous arrivons à répertorier? Merci pour la question, Johnny. Je pense que le réponse à permettre de gagner et plus de détails sur le rapport là. Alors, lorsque nous disons le rapport là, et pour moi ça, alors que ça vous finalise dit, nous disons chaque mois, nous avons fait un rapport et la fois bail des explications. Donc, nous disons le rapport là, pour moi ça, nous répertorier 49 cas, disons 49 personnes qui mourent et qui ne peuvent pas battre assassin. Mais par esprit d'objectivité, nous dit, c'est pas seulement 49 personnes ça, non? Parce que la guion baisse. Si on regarde les rapports de manière littérale, le fait que dans le mois de juin, nous disons plus, il y a plus que 57, ou pour moi ça, nous dit c'est 49. Mais au Sénat, c'est par esprit d'objectivité, nous dit, nous ne parlons pas avant ces chiffres, nous ne pas gagner des preuves. Et après, rapport, ça, dans le rapport au Sénat, nous toujours avancer sur eux avec des précisions. Donc, dans la rapportation, nous ne pas seulement dire au Sénat, c'est 49 personnes, nous rapport au Sénat, c'est 49 personnes. Mais nous, mais qui l'a dit, mais qui l'a dit, mais qui côté, mais dans quelle circonstance. Donc, dans 49 personnes, il y a deux policiers là-dedans. Parce que c'est dans le niveau de la police, et dans le mois de juin, c'est bien 4 policiers. Donc pour moi, ça, il y a 2 policiers. Donc pour effectif la 49 là, et nous dit, il y a des zones. Nous reconnaissons que il y a un gros affrontement qui s'est passé. Et il y a un monde qui mourit effectivement. Mais par esprit d'objectivité et d'impartialité. Et pour rendre rapport nous en potable et crédible, au Sénat, pas jamais avancer des chiffres qui ne sont pas vérifiés et vérifiables. Et c'est ça que fait, nous seulement disons 49, pas de nous reconnaître bien l'autre, et 4 jours, de nous-mêmes, nous partons de répertorier, nous seulement si à les zones taillées, c'est bien des cas de domicile, où ce n'est pas enregistré, et bien un petit monde qui est tombé en babal et assassiné dans la même période-là. C'est pratiquement la dernière question de M. Camille Oxyus, en attendant guerrier du sol avec Lydia Alexandre Chéné. Et tout le monde d'accord, problème et sécurité n'a pas lié, il n'est pas seulement lié à la question. La police, l'armée soulevée et même la douane qu'on s'est évoqué là, gagné les questions politiques qui sont très importantes dans solution, dans chercher des pistes de solution, dans essayer de joindre pour les questions d'insécurité. Par exemple, des mondes qui, au niveau de l'État, qui de connivence avec des groupes armés, des mondes qui sont dans le secteur politique là, qui sont dans le secteur privé là, qui ont même toujours pris plaisir et aller dans le quartier populaire, distribuer des armes. Et joindre des groupes qui sont attachés avec eux pour mener des batailles politiques, que ce soit la guerre élection ou bien la guerre mouvement d'un pays. Qui regarde aussi un sous ça tout? Merci, Johnny. Ce sont des questions très pertinentes. Nous sommes une approche globale sur la question de sécurité. Mais, si nous avons été à l'interne, l'insécurité en Haïti, les doutes politiques, les doutes économiques. Les politiques, le fait que il y a des civils armés qui ont des armes en main, dans le moment où on a parlé là, et quelque part, il y a des armes en main soit pour la prise du pouvoir ou la conservation du pouvoir. Et lorsque mon cas a des armes en main soit pour la prise du pouvoir ou la conservation du pouvoir, mon qui victime n'est pas l'autre population. Parce que lorsque il y a une la terreur, et bien c'est innocent, c'est mon citoyen qui va le travail, tout le monde victime. Bien le monde qui a des armes mais tout, c'est aspect économique. Parce que bien lutte économique pour question d'appauvrissement, bien le monde qui veut gagner plus comme, bien le monde qui veut appauvrir tel monde, bien le monde qui veut gagner plus comme, et la personne qui a utilisé, c'est les armes, c'est kidnapping, c'est insécurité. Bien le monde, comme on va toujours organiser, là le monde qui a un monde pour bien gagner, c'est encore des sont perdus, sont gaspillage. Son double gaspillage parce que ou tout le monde n'a pas bien gagné ou pas capable. Ou tout le monde n'a pas bien gagné ou pas capable. Ou ça n'a pas la vie mouna. Mais là où tout le monde n'a pas bien gagné sous base, il pose les droits, donc son gaspillage. Donc j'en ai question de sécurité à l'interne, nous dit l'économique, les politiques, mais peu importe, sous insécurité, c'est l'État qui a obligation pour le travail pour garantir la sécurité.
Mais comme on parle de la police, on va dire, on travaille sur lui. Au Sénat, on travaille sur lui et on a bien pour nous ministres. On parle de corruption. Nous ne parlons pas de corruption seulement dans notre institution. Mais même dans la question ministre, tout est corruption. Et ça, nous pouvons être directement à côté gros chef qui est dans la BNHO. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de parler des policiers qui n'ont pas gagné, policiers qui n'ont pas gagné matériel pour le travail? Ça, je même yo même à dire que les policiers ont matériel. Comme journaliste, à mener une enquête. Non seulement ils parlent des policiers et des munitions pour le travail, ils parlent des matériel, mais des fois, il y a des policiers, ils ont fait aussi un pour ça, ils ont pas d'ailleurs. Et moi, je dis, ils ont mis dans l'enquête. Les policiers à 25-24 cartouches, ils ont pas lié une quantité, ils signent pour une quantité. Très bien. Après, c'est là, c'est l'enquête qui fait. Donc, dans ce sens, nous-mêmes nous disons, dans ce sens, quel que soit sous insécurité, on est d'accord, c'est la police, c'est la justice qui ont dégagé en synergie pour garantir la sécurité de la population. Et c'est pour ça, dans le rapport là, nous gagnons un ensemble de recommandations que nous faisons pour permettre aux autorités de nous tendre la raison, pour permettre aux autorités de nous agir correct, tout ça. D'accord. Et une recommandation, c'est demander, nous demander, pour qu'il y ait une synergie qui dégage entre la douane et la police, pour permettre de résoudre cette insécurité. Mais non seulement la douane avec la police, mais de l'autre côté, nous demandons tout pour une synergie qui dégage entre la justice et la police. Parce que parfois, la police arrêtée, pendant la police arrêtée, des pressions politiques, pressions économiques, c'est la justice libérée. Parfois, la justice émet un mandat, la police veut arrêter, mais même la justice qui émet mandat pour la justice arrêtée, on l'autre met tout qui dit écoutez pas arrêter, c'est un tel. Donc je dis, il faut qu'on dépassement de soi qui fait. Il faut que nous voyons un signal pour nous dire dans l'état de droit. On l'aime nous parler de l'état de droit, signal là par l'autre bagaille. Quel que soit côté mon ya, quel que soit origine politique, quel que soit moyen économique, depuis mon nan participé dans une action qui est illégale, qui est en dehors de la loi, faut que la police arrête elle et la justice tendre, sanctionner au regard de la loi. Voilà. Donc, nous souhaitons, regardez les recommandations, et gardez notre niveau capable de mettre en application pour permettre tout le monde capable de vivre sans problème dans le pays. Parce que question guerrier, mon abonnement caille, mon abonnement caille, il travaille pendant 15 ans, 20 ans, il fait 2 semaines pour dormir. Après ça, bandit, 100 fois ni loi. Merci un peu le maître Camille Oxyus. N'a pas rappelé, on t'a parlé de rapport ça non publié qui fait état de 49 monde qui mourit à Kabbal et maintenant qui dit il n'y a pas parlé de drame bien de la guerre qui était gagnée dans Cité Soleil côté plus façon centaines de monde qui est mort selon de l'autre organisation puisque il n'y a pas de gagné logistique qui est nécessaire. C'est pour te chercher qu'on est et combien de monde qui mourit ou bien blessé dans la commune Cité Soleil qui a gagné bataille entre gang et Zamio. Mais nous allons parler avec l'économiste Edzer Emile concernant l'information qu'elle a publiée hier soir sur page li, qui fait quoi inflation dans le pays d'Haïti li rive koulia 29%. Ça veut dire qui jan prio monté dans l'économie selon dernier chiffre IHSI publié avant hier soir. Et Edzer Emile fait connaître depuis 2003, c'est inflation qui pire. Nous, Jean Mouet en Haïti. Avec nous, économiste Edzer Emile. Avant de prendre l'économiste, une question m'a posée, ou même avec Lydie, peut-être avant le journal la fini, on a aidé à jouer les réponses. L'État te commande une série d'équipements matériels pour la police jusqu'à présent, équipements, il y a toujours dans la route ou bien il y a quelque part.
Pas connait pas connait OK on a chené avec non pas connait tout non on est guerrier qui a pied fort passé pas connait peut-être là ben gain un peu d'information que t'as fait quoi que vous pouvez joindre autorisation pour rentrer gain des pays pas d'accord que rentrer etc. Mais ce qu'on est fondamental là c'est mauvaise gestion les amis arrivés ici ou pas arrivés à destination oui vous parlez de commander pour la police t'as l'autre de dans gang j'ai galé de commander pour parler national yo qui était jeune Jamaïque il y a jeune Jamaïque au jeune dans un gang la police en tout cas on a venir sur ça. Non, mais même zam ça tout le rentre dans conteneur généralement la police pas gain droit pour utiliser parce que il y a trois bagages fondamental la question commander équipement pour la police là par rapport avec embargo gain sous pays c'est qui boy a acheté yo et qui l'est arrivé dans pays et s'il y a font bon gestion des lits donc l'état pas un bon gestionnaire dans ce sens. Donc c'est ça qui fait des pays qui opposent c'est ça. OK et c'est Émile bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Lydie, je ne suis pas sûr pour me connaître qui est-ce qu'il a encore. Johnny Ferdinand. Johnny Ferdinand, Zami Pam et l'autre monsieur qui parle là, PER, Bob C, tout staff là, cap suivi et producteur auditrice, mon capteur sur internet, son plaisir que avec nous, je vous dis à ce caribe. Et comment on peut aider à comprendre l'information que vous partagez avec Fanouyo, inflation dans le pays est arrivé 29%, ça veut dire qui ça? Très bien, inflation c'est une mesure que ils ont utilisé pour regarder qui j'en prie au progresser dans l'économie, prix pour du que n'a pas acheté. Et IHSI lui-même qui est habité pour faire ça, il y a des inspecteurs qui sont terrain qui regardent chaque mois qui j'en prie au quantité de produits, que ce soit alimentaire, transport, gaz, etc. Ils regardent qui j'ai progressé. Et puis à partir de ça, il y a un chiffre qui dit que 29% que publie, en fait, c'est chiffre juin lié. Livre dit que de juin année passée à juin année ça, prix a augmenté environ de 29%. Mais ça 29% veut dire. Il veut dire que si on bagaille tape 25 gouttes, il vient 29 gouttes. Mais son moyenne que lié. Parce qu'il y a des produits qui doublent, il y a des produits qui peut-être augmentent de 50%. Donc, quelque part, il y a une idée de qui j'ai pris pour progresser l'économie. L'élève dit son moyenne, bon, pour exemple simple. En dans le rapport, la liba est sous certains produits, exemple, du riz, c'est 45%. Ça veut dire que si on du riz, il a 25 gouttes, il vient de 145 gouttes. Liba, exemple, pour poisson, il est 54%. Liba est pour l'huile, qui est 88%. L'huile a presque doublé de juin 2021 à juin 2022. Donc, ça, c'est beaucoup à comprendre. Mais ben, il faut comprendre que l'inflation existait dans toute économie. Mais depuis que l'IT dépassait 2%, 3%, 4% son année, c'est déjà grave. Donc, le rapport de 29% est très loin de ça qui est normal comme inflation dans l'économie. C'est une frontière aux États-Unis, là, le Parti démocrate là prend pile pression et le Cameroun risque de perdre l'élection pour le faire dans fin d'année. Juste parce que l'inflation est arrivée de 9% aux États-Unis, qui n'a jamais arrivé depuis 40 ans. Donc, ça veut dire que Mbembe explique qui ça 29% veut dire. Et l'homme dit que depuis 2003, nous pas jamais vu ça, c'est parce qu'en 2003, dans le mouvement pour GTA Aristide, il drive dans la phase d'inflation, il drive même à 41%, c'est très grave. Et depuis là, il est toujours dans la fourchette, nous avons dit, qui est plus bas, et nous sommes arrivés même à ce moment 3-4%. Et puis, à partir de 2015, devine comment c'est remonté dans 10%, 12%, jusqu'à ce que aujourd'hui, nous arrivons dans une phase et insupportable de prix. Et ça, lui-même, au final, selon qui zone courrier guerrier, l'inflation lui varie. Bon, bon exemple simple, et IHSC mettait en région. Donc, moun ki nan région sud, ça veut dire moun ki nan Grand Est, moun ki nan sud, moun ki nan Nip, par exemple. Inflation par ailleurs plus élevé que mon gars dit non. Raison bien simple, accès aux produits plus difficile pour mon de traverser avec Matissa et donc il vient beaucoup plus cher. Maintenant, par contre, sous grande question, sous définition, oui. Avant que nous abordions quelques causes que nous pensons. Oui, c'est un problème à cause, effectivement. C'est ça. Donc, maintenant, nous pensons qu'il y a plusieurs bagages qui expliquent ça et guerrier. Une là dans c'est prix gaz parce que gaz sont produits transversaux. N'oubliez que en décembre le gouvernement haïtien a déjà augmenté gaz là. Et là ça diesel c'est gain temps deux fois prix. Donc on gain 350 gouttes diesel. Donc là il finit arriver, il prend une quantité de temps pour l'impact
monter prix parce que diesel là il utilisé pratiquement dans pile entreprise qui a produit qui a transformé et cetera en pile machine qui a transporté donc on va le à partir du moment que gaz là vient doubler sous diesel particulièrement les bras font quantité moins bien impacter et pire que ça maintenant l'organe de non contexte international tout aujourd'hui nous avons inflation internationale par exemple je parle des États-Unis je dis à son relais cousin l'autre bois ou bien frère ou bien sœur il va dire que et prix manger et que ce soit prix gaz tout bagaille pas même prix avant mais Haïti les même 70% produit que n'a consommé nous pas faire ici ils sont à l'étranger ça veut dire ils ont sorti déjà nos pays qui déjà fait prix affiché que ce soit la Chine que ce soit États-Unis que ce soit Saint-Domingue qui c'est trois principaux partenaires commerciaux d'Haïti ils ont déjà des prix élevés la caillou donc nous venons acheter dans mais déjà à un prix élevé. Pendant que, en même temps, transport international vient deux fois, trois fois plus cher depuis le corona est installé dans le monde là. Donc, tout ça vient d'abord dit activer la situation pour rien là. Maintenant, bon, l'autre élément encore, et son élément de rareté. Parce que les gains de crise géopolitique dans le monde là, il y a des pays qui ont essayé de conserver ça au gain puis pas exporter, parce que par contre, qui j'aime la capable. Exemple, la Russie avec et Ukraine représente un gros marché dans la question céréale dans le monde là. Tout le monde connaît ça. Dans le blé, dans le bain, l'autre bagarre, dans l'huile et aussi. Donc, le pays ça a en crise, il veut dire pas. Automatiquement, ils vont rater sous produit. Même le monde qui a produit là, les mêmes vont augmenter le prix. Et c'est ça qui arrive pour les pays comme Pérou, Argentine, Brésil, Chili. Ils ont même qui parlent de crise, mais qui vont augmenter le prix du produit qu'ils vendent parce que bien raté sous marché. Maintenant, l'autre élément, c'est dollar. Parce que l'on a acheté un dollar dans un pays étranger pour revendre en Haïti et dollar augmenté, il naturellement fait prix à remonter. Parce que le monde s'est importé à lui-même, comprenez bien. Le monde a importé un dollar et dollar monté. Donc, prochaine fois, libéral commander encore, il est obligé de demander mon Haïti à plus comme en gold. Pour capable de ces dollars pour l'acheter pour produit que l'a pas acheté. Donc tout ça yo participé dans créer. Mais bon, l'autre élément c'est la sécurité guerrière. Guerrière entrepreneur aujourd'hui là qui sort du Port-au-Prince qui prend le vendre produit au Caï ou bien et Jérémy. Mais ni quelque part s'il pas payé bandi, faut le passer par là mais la paye pas tout temps que tu te comme. Donc ça rien là comme situation de sécurité. Nèg a passe au bagage sous frontière. Paul Bacastama aux autres en quantité comme pas moi. Donc, il vient de faire une sorte de taxe sur le produit guerrier. Le fait que vous avez un pays qui est contrôlé par les gangs, sorti dans la ville, passé par Matissan, passé par des bouquets. Donc, tout rentre produit, il vient pratiquement une taxe sur le produit qui fait que le monde qui a vendu, lui-même, il n'a pas payé les conséquences. C'est le monde qui a acheté, il n'a pas payé les conséquences. Donc, il va ajuster pour y avoir tout le monde ça. Donc, ça, tout, c'est un élément important. Maintenant, l'autre élément, je vais finir sur Kozio, c'est que et à peu près 40-45% des produits alimentaires que Haïti consomme, les produits locaux. Mais là, je regarde les performances, ça me rappelle les campagnes printemps, ce que le ministre de l'Agriculture a réalisé pour capable relancer l'agriculture, n'est pas vraiment réussi. Donc, la campagne n'a pas réussi, ça veut dire que nous n'avons pas vraiment augmenter production locale nous dans contexte ça pour être capable de satisfaire demande là donc bon rentré sous point ça qui vient faire que automatiquement on rentré prix on va augmenter son ensemble de denrées que n'a pas acheté et chaque jour maintenant avec tout ça n'a couvrir avec un gros bagage nous relé incertitude de vous gain certitude mon pas connait ça cap dans pays a insécurité dans commune. Donc, automatiquement, il crée une sorte d'anticipation qui est négative et tout le monde qui vend pense que le produit a pris le pichet. Donc, automatiquement, il vient créer une pression sur le produit. Et si ça n'a pas assisté aujourd'hui, avec une inflation qui est insupportable, je ne dis pas là. Mais là, dans la rue, où elle a pichet, a plus mal toujours que chiffre ça que nous baillons là, parce qu'il n'est pas même capable de vraiment mesurer. Ils ont pratiqué dehors parce que l'homme on a fait revente, tant que chaîne n'a plus longue, c'est tant que prix final que consommateur final a acheté, capable de picher et guerrier. Et ça veut dire qui ça par rapport à condition la vie mounio avec une inflation dans le niveau ça? L'inflation consacrée, il est simplement pour accélérer
misère avec pauvreté dans la rue. Et yon a meilleur indicateur pour ça, ça nous relie insécurité alimentaire. Ça veut dire que moun pa ka manger. Chiffre que te bay en mars, c'était 4,5 millions haïtiens qui pa ka manger. 4,5 millions en mars 2022 que CNS a été publié. Je dis à la nous en août. Donc ça veut dire que entre temps, situation a accéléré. Donc moi pas gen nouveau chiffre, mais moi certain que l'on ou inflation comme ça, qu'il y a plus de monde qui pas qu'à manger. Parce que qui ça inflation, je veux dire, clairement pour moun yo comprendre. Ça veut dire que si m'te gagne 1000 gouttes à repasser que m'ta l'acheter dans marché Delma 30, ou bien marché Fondeneg, marché du 6, n'importe qui côté, marché au Cap, marché en bas la ville, Pétionville. L'em te gagne 1000 gouttes m'ta l'acheter. Et puis m'te mette tout ça m'ta acheter ou non sachet. L'em tourne à Nia, après un an, m'pa qu'à acheter même quantité ça m'ta acheter avec même cobla. C'est ça lié. Donc, lorsque arrivé, il voulait dire que automatiquement, il a détérioré condition la vie moun sa li même qui a fait face là. Alors que parlement pas de travail. C'est plus business qui a fermé à cause de sécurité. Donc, nous avons une situation extrêmement difficile. Et moi je vais dire l'Afrique, moi dit que c'est du malheur. Moi pas certain que vraie inflation internationale que nous vivons l'autre bois nous consentir en Haïti. Ça veut dire que gain chance. Ça me saute de là, c'est chiffre juin. Ça, 29% c'est juin 2022. Donc, moi, pourquoi est chiffre juillet et août, nous pouvons gagner, nous pouvons arriver. Donc, moi, c'est certain que nous sommes capables de jouer une inflation qui est beaucoup plus élevée. Les maps gardent tendance internationale là, mais aussi tendance locale, côté pour pas gagner pression, des mon gars qui est par rapport à la responsabilité que rien. L'invasion russe en Ukraine, la situation économique des États-Unis, Chine, République dominicaine, donc gain inflation par eux, nous même par rapport avec ensemble de produits n'a importé pas bon ici, nous automatiquement importé inflation à tout. Maintenant moi-même moi vle et pose une question sous gaz là qui montait sur marché international là, nous même nous connaît. Johnny, on va quitter sujet parce que j'ai quelques pistes de non, pas quitter non, même inflation hein, même vle lié la question gaz là. Qui ça me voulait dire, économiste Edier Emile, entre le on produit vin cher avec le pas disponible du tout, une grande différence. Donc gaz là vin cher automatiquement, li monte sur marché pas non tout. Maintenant jodi a là, c'est les deux. Non seulement il y a rareté, il y a pénurie, mon yo pa ka jwenn gaz là, mais tout ça rejoint là, il y a un prix exorbitant. Est-ce que ça pas aggraver situation économique qui vient faire que même inflation ça ne pas ka mettre un chiffre sous l'IA pas risquer empirer dans moment n'a parlé là. Non absolument parce que ça dit correct. Donc les entreprises yo pas même ka jwenn gaz là et a acheter sur le marché informel à un prix exorbitant et il était déjà monté formellement en décembre. Qu'on a, il y a monté informellement dans la rue et moi-même moi fait pour ça puis son bagage qui beaucoup plus grave. Ça n'a plus dans le pays, il y a pas tout près pas rien par rapport à ça on a vu dans la province yo. En termes de prix transport, prix moto, mon cap sur Damari, pas Chambilan, c'est là qui est extrêmement grave. Je même pas même comment moi je peux continuer à vivre encore dans une situation comme ça. Donc maintenant faut comprendre que Johnny et prix gaz qui monte ya en partie expliquer rater à tout. Parce que quelque part et compagnie pétrolière yo dit que faut l'état continuer bay aux différences qui gagne sous galon parce que là yo fait calcul jodi a galon ka rentre al ta peut-être si a fait calcul prix acheté etc ka supposé peut-être dans 7 par 800 gouttes selon ça compagnie yo dit. Donc yo dit que comme la vente mon cher dans pompe yo et puis c'est l'état qui bay différence là et puis en tuant avec l'état et soit l'état pas gagné assez pour le bayo, yo ne pas va payer à crédit encore. Donc bon bagarre là qui a brûlé entre compagnie avec l'état qui fait que yo pas acheter quantité gaz que marché a besoin par rapport avec question prix la bonne l'autre bord. Automatiquement qui vient ben nous son on dit là qui vient faire nous payer au final un gaz informel qui beaucoup plus cher que s'il t'a monté dans pompe de manière formelle. Voilà. Et gens de là plutôt que nous t'aguions quand même, au lieu que nous t'aguions du tout à un prix aussi élevé. Voilà, on met continuer par rapport avec l'autre point de faire. Et avant de venir sur et piste de solution et dire Emile, nous diffusons tout à l'heure là un reportage Micheli Alexis qui parlait avec de autorité municipale, de magistrats qui obligeait mettait en disponibilité employés à cause
soit yo pa ka travail, par exemple Croix des Bouquets et employé yo pa ka sorti à fait travail yo, donc l'argent pa rentrer dans la mairie yo. Mairie Pétionville doit 3 mois les dit et que il est obligé mettre en disponibilité employé yo dans certains services. Mairie Carrefour déjà fait. Jacmel doit 40 mois. Donc est-ce que nous t'a dit jodi là nous gon problème l'argent et bien l'argent pas circulé ou bien même l'État en lui-même commençait touché par situation économique que nous avons là. Ah non, bien sûr, c'est-à-dire que victime de l'inflation, c'est dans tous les trois. D'abord, c'est le consommateur qui a acheté, qui a le marché comme le bac à compte. Deuxièmement, c'est l'entreprise. Les prix aux chers, c'est l'entreprise à revendre moins. Mais troisièmement, c'est l'État qui lui-même tout consommé, qui a acheté toute bagaille dans l'économie hein, pour tête li, et puis tout qui a fait face à fond et qui a fait face à pression pour demander ajuster ça allait tout parce que la vie chez a monté sous mon yo par contre qui dernière fois et employé l'État a augmenté salaire yo. Donc ça veut dire que jodi a l'État tout le fait que ou gen tout déséquilibre ça dans l'économie hein, qui fait économie en pas marché li paye conséquence tant que si vous êtes qui rentre dans douane yo sans goujon entre derrière. Donc, lorsqu'il y a une inflation, on goûte qu'à faire du valeur, ça veut dire que ou qu'à faire moins de bagaille avec recette courante. Donc, automatiquement, l'État vit dans une situation difficile. Et puis tout, lorsqu'on économie qui sous quatrième année, l'innégatif, c'est ça la Bible là, vous voyez. C'est pour une situation qui vit chaque fois dans la Bible là. Donc, pour le monde là qui est jeune, qui a moins que 30 ans, nous pouvons comprendre ça. Donc, c'est quatrième année de l'économie qui est négatif que nous ne pouvons jamais moins. Même le terrain coup d'État avec 11, il va être comme ça. Donc, l'ordre économique qui pas marché comme ça, il veut dire que l'activité économique ralentit et l'État lui-même il rentre moins scope parce que côté d'argent, l'argent, il vient comme partie de l'activité économique qui est taxé. Donc, l'activité économique qui réduit, il y a moins de recettes, mettez sous ça. Je dis à son pays sans contrôle, pas de parlement, pas de bagaille, c'est un pile comme à détourner tout. Il faut qu'on dise ça, oui, un pile comme à détourner le pays. Contre ben augmenté tout l'ordre l'État qui totalement et m'a dit et de facto qui pas ni un rien avec contrôle avec rien du tout automatiquement ou bon risque pour qu'on ait augmentation systématique dans corruption contrebande toute bagaille et automatiquement et puis ou venir moins ressources dans pays a pour qu'on supporter mais ta question mairie yo gagne deux sources de revenus d'abord gagne revenu que yo fait localement à travers que ce soit impôt locatif, yon gon kob nan patente, gen lot bagan encore entreprise dans zone nan ki paye. Maintenant, mettez sous ça, gen de mairie, c'est lui-même, c'est le ministère intérieur qui baille l'argent. Maintenant, qu'on a quand t'as posé question, qui côté ministère intérieur fait avec Kobi, qui est-ce qui baille Kobi yo, qui ça le fait avec lui, est-ce que le gen assez, est-ce que le détourne, qui fait que mairie yon pas gen support supposé gagner pour capable de financer le budget. Mais nous comprenons tout, des zones qui impraticables tout, automatiquement, et pour le cartif, si vous avez des zones, qu'est-ce qui va le payer dans la zone Croix des Bouquets? Qu'est-ce qui va le payer dans l'équipe de zone encore? Maintenant, activité économique, qui est-ce qui va le faire patente Croix des Bouquets pour mairie à Cajun l'argent? Donc, c'est des situations particulières qui va demander effectivement que l'État central là, li garde Mounsa de manière spécifique pour vous régir et vous capable de supporter eux parce que effectivement, dans un contexte comme ça, c'est très difficile pour devoir révoquer les gens, mettre les gens en camp parce qu'on n'a pas payé eux, pendant que c'est des gens qui travaillent avec l'État depuis quelques temps. Et l'autre problème, c'est que, en pile dans nous, pour ne pas dire nous tous qui sommes des salariés, nous venons plus pauvres. Oui, absolument. Absolument. Et c'est ça que je veux dire. Parce que les salaires n'ont pas ajusté. En pile. Oui, me dit salaire n'ont pas ajusté pendant que service n'a pas acheté yo, yo en dollars. En dollars, augmenté en dollars. Loyer qu'il qu'on y a là vous payez. Voilà, acheter une série de restaurants petit en ville, une série de magasins sans US. Vous comprenez, je dis à 20 000 goud, ça le te voit en 2015, 2016, c'est pas les mêmes livres en 2022. 25 000 goud, etc. Donc ça veut dire condition la vie nous a détérioré. Oui, économiste. Bien plus mal. Et ça me donne d'aller, c'est que les gens qui sont moins guerriers, ils sont plus mal toujours. Parce qu'en pile en bout, ils sont pas tout prince. Donc, les gens qui sont transportés pour aller dans le côté qui est plus loin, ça va compliquer net. Et où t'as proposé nous qui ça comme solution? Bon, écoute, ce qui est important et guerrier, c'est qu'il faut comprendre dans le contexte d'inflation internationale. Donc, ça, c'est le premier élément. Il y a vraiment des
au niveau géopolitique, il faut avoir un contexte beaucoup plus calme pour qu'attendre nous ayons plus ou moins accalmé la question. Parce que c'est peut-être des intentions, ça, Russie, États-Unis, la Chine, etc., avec toute question de gaz et cap fait, et automatiquement, sous rationnement pour du alimentaire, tout ça, nous fait partie de lui. Et ça, ce n'est pas localement qu'à résoudre. Il faut que nous soyons d'accord sur le point ça. Maintenant, cependant, il y a ça qui est responsabilité pas nous. Qui sont responsabilité pas nous. D'abord, c'est au niveau de crise sécurité avec crise politique. So, je me dis que ça a participé en pile. Les gangs qui contrôlent un territoire, ils participent dans faire prix au plus cher. Pour les gens qui ont des droits de cité soleil pour le babon de l'argent, pour les gens qui vendent en bas d'Elma pour le babon de l'argent, pour traverser Matissa avec container pour le pays bandit, etc., etc. Donc tout ça, ils créent un climat terrible pour que le prix toujours augmente parce que on taxe l'insécurité à mettre sous le produit qui fait que la population n'a pas acheté. Mais là, c'est l'État pour capable créer un climat de sécurité dans le pays pour activité économique capable de faire sans pression, sans situation. Ça. C'est un autre élément qui est très important que je ne peux pas parler de lui. Et qui, pour moi, c'est l'élément qui est plus important dans le rapport qui a fait ce sorti, le bulletin sorti hier soir. Et je vais tout le monde t'aime avec attention. IHSC distingue inflation sur produit qui a sur l'autre banc avec inflation sur produit qui a produit Haïti. Attendez bien. Inflation sur produit qui a sur l'autre banc, 41%. Inflation sur produit qui fait en Haïti, 21%. Ça veut dire. Ça veut dire que tendance inflation en pire sur produit importé. Et qui ça représente? Ça veut dire qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour que nous ta produit plus et importer moins de produits qu'à sauter à l'étranger. Chaque fois que je dis ça, personne ne m'en attendait. Je dis que l'inflation internationale, c'est une opportunité pour renforcer la production, que ce soit agricole et industrielle et agro-transformation dans le pays pour capable remplacer, pour capable substituer les produits sous à l'étranger. Et moi, je rencontre des entrepreneurs qui peuvent comprendre ça, qui disent, mes économistes, nous sommes dotés de ça, mais réalise effectivement, si mon produit bagaille ça ici, la plus bon pour moi, la plus moins cher pour moi, et ma café plus comme que si je tape importé par rapport à j'aime bagaille ça et l'autre bois là. Donc, je fais un appel pour tout le monde, non seulement qui est dans le domaine de production, mais aussi pour l'État. Font-ils garder, ministère commerce, ministère finance, qui ça que nous sommes capables rapidement accompagner dans la production en Haïti, pas seulement agricole, mais aussi agro-industriel dans le pays. Qui déjà un potentiel pour être capable de réduire l'importation de produits sahéliens qui sont sur l'autre bord. Il n'y a pas aucun sens pour un pays qui a tout potentiel ça pour importer 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de produits agricoles avec agroalimentaires pendant que nous sommes capables de produire un peu là-dedans. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, l'inflation est beaucoup plus sous produits à marcher l'autre bord que l'inflation sous produits qui sont sortis local. Donc moi, je pense que solution ça, c'est pas un bouton à peser qui a fait l'inflation en descendre, mais si on prend disposition pour capable renforcer certains secteurs productifs dans le pays, pour capable produire production nationale, pour capable peut-être dans 6 mois, venir moins dépendant de mon équipe de produits à sortir en Chine, Saint-Domingue, États-Unis, pour capable ou même le ça, capable de ralentir souffle par rapport à la situation ça. Et maintenant, l'autre bagage encore, je vous dis à la, ça n'a pas gardé là. Il faut que le gouvernement soit capable de prendre des dispositions pour faire des allocations dans le pays. Parce que, il y a des gens là, je vous dis là, je ne sais pas qui est capable de fonctionner. Mais l'allocation n'est pas si difficile que ça. Je ne sais pas si on calcule tout à l'heure. Je vois que si vous avez 200 000 familles, ou tu as permis de joindre 20 000 gouttes, ça fait 4 milliards de gouttes. Je suis sûr que 4 milliards de gouttes dépensent dans le pays tout le temps pour faire ça, pas ça. 4 milliards de gouttes. Je ne vais pas dire que 3 000 gouttes qui n'ont pas aucun impact sur le monde aujourd'hui. Mais sont arrivés, parce que le pays a prouvé que lors de l'allocation à des familles, il n'y a pas dérangé l'économie. Il augmente la consommation et le constat, il augmente les taxes qu'on fait sur le produit et il permet que l'entreprise gagne la vente. Il y a un effet qui est positif. Moi, je pense que faut réfléchir là pour nous dire que est-ce que nous avons dégagé 4 milliards de gouttes dans le pays pour nous permettre que 200 000 familles qui pi mal, je n'ai moyen de fonctionner. Parce que sinon, si l'agence a pris les jeunes mounio, c'est ça le problème. C'est la corruption. Des fois, qu'on a pas les jeunes mounio. Mm-hmm. Donc sinon, vers zone et dans l'été là, dans le mois qu'a privé là, nous sommes capables d'émeute de la faim
que moun sorti parce que grand goût, peut-être yo paye sécurité à kidnapper, yo pou ka sorti, même certain que yo gagne toutes conditions qui rempli, pi mal que 2008 là te sorti ya, peut-être deux fois pi mal pour moun ta sorti, mais malheureusement moun politique en général qui qu'on activé yo en pile là dedans ou bien chita jodi là, ça pas intéressé yo. Et deuxièmement, moun yo tellement peur kidnapper avec mes capturé yo, yo préfère peut-être grand coup la caillou au lieu que sorti pour protester comme ça. Et dire mille n'a pas rappelé aussi économiste n'a pas recevoir matière dans journal là. T'as lui aussi rappelé nous un chiffre là que il était communiqué en mars dernier sur question insécurité alimentaire là. On t'a parlé de 4,5 millions. T'as gagné un coordonnateur CNSA lui-même tout qui t'a lancé son cri d'alarme. C'est incapable de dire comme ça. Côté il t'a dit gagné 1,5 million tout qui en situation d'urgence. C'est-à-dire des mounes qui a mouru grand goût. Ok. Dans contexte ça, gouvernement Ariel Henry à travers ministre affaires sociales Odné Pierrico et puis directeur général Faesta monsieur Paul Henri Voltaire ont lancé officiellement un programme et d'apaisement social sous même rubrique question accompagnement allocation t'a parlé à ministre santé déclaré gagner pratiquement une enveloppe de 3 milliards de goudes qui disponible eh bien pour programme ça qui était long programme multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. Je dis à 3 mois plus tard, est-ce que nous avons dit gouvernement qui côté programme ça fait, est-ce que vous êtes arrivé à implémenter, qui ça résultat et dans qui sens ça aider l'économie n'a pas parlé je dis à là. Bon, moi pas certain que l'implémenter, sinon faut être dit ça dans la radio même pas jamais dit ça, était seulement annoncé que pour aller débourser 3 milliards de coûts pour faire face à problème social yo. Maintenant n'a pas tant d'implémenter. Mais deuxièmement, et Jean-Guerre et Abdullah, qui ça qu'il a fait comme activité en 3 milliards de gouttes là? Et est-ce qu'il a touché mon yo tout bon? Parce que nous avons un gros problème dans le pays, il n'y a pas de données sur la population qui est assez claire. Qui moun qui pauvre, qui côté yoye, qui condition la vie yo, qui quantité petit moun ça a gagné? Non, je ne sais pas combien nous y est tout. Justement, bon, même combien nous y est. Ou guérison. Je me rappelle, le dernier recensement habitant qui fait Haïti, c'est 2003. Dernière fois, il était compté en Haïti, en 2003. Le ça, il était à peu près 7,3 millions d'habitants. Il participe bien fait que ça. Comme là, il était dit ça dernièrement, il était grand pile et ouais là-dedans. Moi-même, j'étais beaucoup plus jeune, mais ça, j'étais dans le secondaire. Je ne pas songer trop de bagaille. Mais il était très mal fait, d'ailleurs. Et là encore, c'était 7,1 millions que nous payons. Donc, entre-temps, tout le monde a dit un chiffre, 11 millions, 12 millions, 13 millions, ou quand même dit 20 millions, parce qu'on ne connaît pas qui quantité haïtien qui l'a. Donc, ça, c'est important, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas arrivés à développer ça, nous, les mécanismes de ciblage qui permettent que les gains ou interventions qu'a fait social pour nous capables de toucher mon bien, et qui viennent faire que généralement, il y a pile détournement, corruption, et qu'en pile, en pile, en pile, manque d'efficacité dans les gens qui ont fait intervention. Ça. Donc là, c'est extrêmement important. Et même dans la question Corona, on a dit ça dans le rapport pour des comptes, le système que tu dis dans Corona pour battre l'argent, c'est un système qui n'est pas complet. Et guerrier, ou même qui sortit dans le sud-est, ma bon exemple, système ministère des Affaires sociales utilisé, il est 6 mars, pour capable battre mon support dans Corona, c'est 3 communes dans le sud-est seulement là-dedans. Alors que nous c'est 10 communes, nous gagnons, oui, c'est ça? Oui, 10 communes. Donc ça veut dire que c'est 3 communes sur 10 dans le sud-est qui ont un système. Ça veut dire que il y a 7 communes qui ne sont pas touchées parce qu'ils n'ont pas dans l'islam. Parce qu'ils n'ont pas jamais arrivé à créer une bonne base de données sur le besoin du monde, sur la population, sur les conditions sociales du monde. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'il explique toutes les autres qui fait sentiment chéri, un pile monde, un pile qui tabaye à des mondes qui n'ont pas mérité 3000 gouttes de président Jovenel là-bas, il y a des mondes qui n'ont pas supposé joindre, qui joignent parce que, encore une fois, nous avons un problème, nous n'avons pas arrivé à créer une bonne base de données pour capable de faire intervention. Qui finit fait que nous n'avons rien trop attente. L'homme temps du gouvernement annoncé comme que il va vraiment toucher les gens qui ont besoin par rapport à la difficulté qui est dans ça. Malheureusement, c'est à partir de base de données ça même, ou ce que tu as évoqué là, que l'autorité a annoncé et faire ça au gain pour faire. Mais maintenant, je me demande est-ce que 3000 gouttes ça sont chiffres mythiques. Nous sommes dans le coronavirus là, sous l'administration Jovenel Moïse là, c'était 3000 gouttes qui ont transféré par mon cash, mais le gouvernement ça a tourné dans 4 programmes sociaux ça, il a été annoncé, il a transféré 3000 gouttes par mois à 5000 gouttes. Vous avec nous, 3000 gouttes pas qu'à faire pour personne. Non, vous avez demandé sur qui base vous décidez ces 3000 gouttes. Si en 2020, vous parlez de 20000 gouttes. C'est 20000 gouttes par famille pour ta baille pour ta faire sens. Bon. Si vous touchez 200000 mouns avec ça là,
li pral bon impact direct sur que soit sur consommation moun yo, sur vente d'entreprise yo et même sur taxe sur chiffre d'affaires par la suite. Cependant, pour essayer de gérer le tout pour pas et alimenter et inflation beaucoup plus. D'ailleurs déjà gon ban kòb ka injecte nan économie pour financer déficit l'état. Année passée c'était 50 milliards de gouttes. Le BRH paye l'état pour financer déficit. 50 milliards de gouttes. Donc est-ce que vraiment pas qu'à joindre en 3 4 5 milliards de gouttes pour faire un bail comme ça temporairement en attendant qu'on travaille sur que son production nationale et aussi rétablir sécurité pour job qu'a vinn dans pays. Parce que guerrier les prix pour du monté à Seyoun, mais là mon n'a pas de travail, là son double peine de lier. Parce que si tu as un travail, même le prix au monté, parce que moi j'ai des pays qui ont inflation, un pays de voyage dans le l'autre côté encore, et mon n'a pas de travail. Ça veut dire que mon n'a pas de travail, mais Haïti mon n'a pas de travail, et puis on l'a biché encore. Donc sécurité encore, ça fait quoi? En tout cas, guerrier, que ministre Pierre Rico, qui est ministre des Affaires sociales là, que directeur général Harry Voltaire vient de la République, trois mois plus tard, est-ce que le programme est arrivé implémenté? Est-ce que le COB est arrivé débloqué? Si oui, qui ça l'été fait? Parce que je dis à la, on garde l'impact. Vous avez annoncé le programme pour trois mois. Le programme est annoncé en décembre 2021. En mai 2022, on lance officiellement. Donc de mai à août, ça fait pratiquement trois mois. Or, ce programme est implémenté dans trois mois avec 3 milliards de gouttes qui doivent être débloqués. J'aime ce dire là, on a annoncé. Il y a bail environ 50 000 familles chaque mois, 3 000 gouttes transférées sur mon cachot à partir de base de données estimation. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc, c'est seul ministre là avec directeur Faïssa qui a répondu à la question. Et pour Patrick Boisvert, tout le annoncé que c'est comme ça, il y a qui finit disponible. Comment c'est l'air fin fait injection hein, pour commencer à monter progressivement prix gaz là jusqu'à présent. Yeah. Comme ça va. Pas débloqué ou pas? Oui, bah, on a demandé avec une autorité yo, et d'ailleurs presque pas autorité qui parle pour le gouvernement. Ça, tout pas gagné. On a dit ça récemment. L'aime pour JM. On a dit tout le monde qui travaille au gouvernement ça décide de à l'intérieur faire comme mais pas gagné. Vle pour en responsabilité parler. Oui. Est-ce que c'est parce que vous peur ou parce que vous estimez que le gouvernement pas gagné la fête? Il n'a pas gagné pour dire tout. Bah, moi, je dois dire, mais est-ce que par exemple, bon, peut-être que les chiffres disponibles sur quantité. Emploi, job qui perdu, quantité d'entreprises qui fermaient, mm-hmm. Et je dis à la dans le pays d'Haïti par rapport à sa insécurité, etc. C'est bien. Malheureusement, et pas gagné et rapport qui fait sur emploi, c'est une donnée qui est beaucoup plus grande dans le pays. Pas de données sur emploi qui est à jour, et pas de données qui parlent de quantité d'entreprises qui fermaient. Mais c'est une enquête sectorielle que nous menons en tant qu'économistes. Et de proximité, on a dit que nous réaliser effectivement un pile d'entreprises qui est fondée avec crise là, monde qui gagne moyen business, monde qui gagne petit business, monde qui gagne gros business tout qui délocalisé, qui ferme un pile et monde qui n'a des domaines agricoles et donc c'est vraiment un pile bagaille sous tape un bloc sud là, ça les cinq départements hein, c'est-à-dire qu'à partir de région des Palmes qui dans l'ouest ou bien sud-est ou bien sud, grand danse avec NIP, il y a des secteurs qui mourent net, ou soit dans le sud-est, ou qu'on ne savait rien. C'est-à-dire que le Ajax, il y a des zones, avant il a bougé. Mais on a les postes à lui, dans moi, son ville qui monte, parce que pas de monde qui vient. Donc ça veut dire que et tout ça, c'est un pacte matissant au groupe Negazam qui joue une protection, qui joue une facilité, qui joue une toute bagarre avec monde qui est dans l'État, monde qui est dans la politique, etc. Donc, qui prend un pays en otage, cinq départements, ça, on va parler de eux, par exemple. Donc, ça ne va pas parler de zone quoi des bouquets, de pile côté dans la plaine, monde qui t'a vendu, monde qui t'a gagné business à tes constructions, bandits empêchés de vivre, sous pas bah, ou problème fermé. Donc, il y a un pile business dans zone ça, on a torsel qui fermé. Et je tape déjà dernièrement avec mon ami, moi, je dis que Haïti, c'est un pays côté que bandits parlent, monde fait business. Parce que je ne vais pas à l'autre côté, parce que moi, voyager, moi que bandits ont aimé les activités à marcher plus capable de faire comme à partir d'activités. Mais mal dit Haïti, les gars, ils ne sont pas d'accord avec le business, ils ne sont pas d'accord avec le monde. Donc pour moi, c'est vivre, créer tout en situation difficile, mais non pas de chiffres, mais nous pratiquement visible pour elle. Et tout ça affecte le travail, moins mon travail et dans le pays, et qui vient fait que la situation beaucoup plus difficile et guerrière. Voilà, eh bien, merci d'appeler les 10 000.
Merci un pile guerrier, merci un pile Johnny, Lydie, tout le monde qui t'a attendu sur Radio A. C'est ton plaisir qui était avec nous matin. Oui, chef yo, tête fait mal, hein. Oui, à la fois. Situation catastrophique. Merci un pile, Lydie, et malheureusement, on a continué. Mais oui, nous pas attendre mieux, parce que là, on paye pour gagner d'abord la sécurité, donc qui c'est plus grand fléau. Je dis à la, ou bon question, rareté, répété, gaz, ou vin gagne en question dollar, donc presque chaque jour, un taux différent, malgré taux de référence BRH. Ça, son blague liée. Ah, ça son brigade. Ça, son blague. Et 145 gouttes liées dans la rue. Hein? Non, oui, pas BRH, ça son blague. Son blague. Son brigade liée, c'est pas sérieux. Mais tout le monde connaît, que ce soit moun et qui a besoin de dollars pour payer une série de services en dans le pays, ou bien moun t'a voué l'argent à l'extérieur du pays, qui ça s'arrête. Et matin, m'a appelé un article sur le Nouveliste, côté monsieur Gazio, qui déjà prévoit que dans le jour où il va venir, il y a une compagnie pétrolière qui peut faire faillite. Et il y a un problème qui est posé, c'est la question de dollars. Parce qu'il n'y a pas de dollars pour importer quand c'était gaz. Logiquement, pays a besoin en termes de consommation. Ça veut dire qu'il y a des compagnies qui sont obligées d'importer. Mais ça peut être. On dit par exemple. Exactement. On dit par exemple, BRH te qu'on supporte, on permet de jouer dollars. BRH décide de dire qu'il a fait jouer 1,3 million, etc. par mois. Or, compagnie ça lui-même, il a besoin de 60 millions de dollars pour importer, pas importer, pour commander gaz. Mais les blagues comme ça, il est obligé de commander en quantité. Qui pas vraiment qu'à répondre à besoin population dans moi ça n'a pas l'air. Et il y a un problème qui posé aux questions de dollars. Donc quelque part à mesure que dollars ça devient rare, vous comprenez, donc il peut y avoir un impact tout sur capacité de commande compagnie ça yo, et j'en ai dit tout à l'heure, c'est nos autres consommateurs finaux qui peuvent payer conséquences. Tout l'autre secteur tout. Et comme produit transversal, oui, donc, justement. Ça prend automatiquement Jean économiste et Thierry Métodia lié à inflation et en juin 2029. Je dis à là, on ne sait jamais. Oui, les prix, les prix, les machines, on prend n'importe quoi. Parce que moi, j'ai guéri avant de proposer. Et la dernière fois, ministre des Finances, il y a eu le prix et la caution. Après, il a augmenté le prix gaz là, oui, en décembre. Il a dit que ça a pris la machine après déjà lié. Je me demande, est-ce que vous êtes connu dans quel niveau le prix de la caution? Personne ne va connaître parce que vous pas fixé le prix. Non, c'est seulement du chauffeur qui a décidé. À ce moment-là, il a annoncé la création d'une commission qui t'apprête à permettre que le chauffeur joue une subvention directe. Commission ça, selon le monde qui me parle avec la commission, c'est une commission qui est inopérationnelle. Mais les monnaies, c'est une commission monnaie. Ah, mais vous avez dit que fait, vous. Avant de nous proposer, Grégory, permettre de nous parler avec Pierre Télémar, pour nous regarder comment la situation est dans le factory. Parce que là, nous avons un groupe de monde très vulnérable qui s'est mis avec inflation 29%. Télémar, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour tous les auditeurs et bonjour Johnny, bonjour Lydie Alexandre qui est sur panel avec vous. Oui, présenter une situation, groupe de Mounsayo, catégorie Mounsayo, avec matin là, dernier chiffre que IHSI publié sur question inflation qui parlait de 29%. Bon, comme nous avons une situation spéciale,